Eh bien le bonsoir et bienvenue pour cette Max League of Nations pour les quarts de finale, mes amis, où vont s'affronter la France et l'Ukraine, et tout ça accompagné avec Enderman qui va co-caster avec moi. Et salut à toi Enderman. Salut, salut. Alors plutôt chaud pour cette rencontre. Bah, il faut bien encourager la France avant tout, hein. Allez, évidemment, bleus. Évidemment. En plus, on a des noms quand même assez connus. Quand même, on a X-Blaze, on a Gabi, hein, qu'on ne présente plus maintenant, et Felkane, évidemment. Mais voilà, des noms qui nous font plaisir et qu'on voit assez souvent dans les grandes compétitions. Et pareil pour côté Ukraine, hein, on a également des grands joueurs. Donc on va voir où ça en est au niveau de l'arbre. Si vous avez un peu suivi... vous devriez savoir comment ça se passe en ce moment. On a la Turquie donc qui malheureusement n'est pas passée. Et c'est United Kingdom qui passe face à la Suède. Et on a encore l'Espagne et la République tchèque qui doivent s'affronter. L'Espagne qui a perdu contre la République tchèque. Et donc, dernier match, c'est ce soir. C'est la France contre l'Ukraine pour passer... aux demi-finales, tout simplement. On peut faire un petit tour des line-up si tu veux bien. On va commencer par G4U. G4U qui nous a un warrior, un prêtre et un mage. Donc il me semble... si je ne dis pas de bêtises, qui s'était fait ban le prêtre. Donc après des decks, j'ai l'impression dans l'ensemble plutôt... plutôt classique, c'est les nouvelles versions qui sont sorties du War. J'ai vu que par la suite, il y avait un autre de ses coéquipiers qui ramène exactement la même liste. C'est la nouvelle version. Du coup, avec MacTeridon, qui est aussi un ajout assez intéressant. Enfin, pour faire un clean avec MacTeridon Blaststorm, on peut voir ce que ça peut donner. C'est vrai que MacTeridon est souvent une tech qui, des fois, peut être mise en place, des fois pas. Ça varie selon les decks, effectivement. Et côté mage, on a effectivement le deck of Lunacy. Je veux dire, c'est quand même relativement présent. J'ai l'impression que sur ton tournoi, ça te permet de se donner ce petit aéroll, hein, surtout dans ce format-là, un petit peu tôt. Ça donne un petit format aéroll. Ouais, clairement. Mais après, on a vu dans le tournoi, certains décidaient pas forcément le setup, avec peut-être avec un côté un peu plus agressif. Donc, oui. Ça dépend de façon des goûts et des couleurs de chacun. Oui, voilà, clairement, ça dépend effectivement de ce qu'on vise et si on se dit est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas. Donc, il est vrai qu'il n'y a pas forcément nécessité l'avoir. Donc, voilà, ça c'était pour G4U. Et ensuite, on peut passer pour côté Gabi. Gabi qui nous a pris le rogue, le prêtre et le mage. Du coup, il me semble que c'est le mage qui a été ban, donc il restera rogue et priest. D'accord, ok. Ouais. Et après, concernant le rogue, j'ai l'impression que rien de bien, pas une tech diverse. Scorpion, il est pas si souvent que ça présent. Je sais qu'il y en a plus. Scorpion est peut-être différent, ouais. Ouais, j'ai vu que dans certaines listes, il y a notamment deux cultes du néophyte plutôt qu'un Scorpion, un culte. Du néophyte, mais non, ouais, la liste n'est pas. C'est pas non plus. Oui, il n'y a rien Scorpion est une bonne carte overall, donc de toute façon, c'est juste un ajout pour avoir un petit peu plus de value, parfois trouver le petit passage secret qui te permet de trouver de l'étal, ou le petit wicked stab, je sais pas le nom en français, le sort rateux qui s'augmente, mais qui met des dégâts. Et voilà, ça permet parfois de trouver le petit étal ou de trouver ce petit truc qui fait que, mais
Mais ouais, voilà. C'est un petit ajout, ça dépend du joueur. Mais... Ouais, non, clairement, c'est effectivement une petite tech. Et concernant le prêtre aussi, on a une ouze. Enfin, on a le limon. Petit limon qui, je pense, contrecarre peut-être le rogue arm. Enfin, j'imagine, c'est peut-être pour... Ouais, c'était fait pour, je pense, éviter de se faire trop péter le... la gueule par un rogue arm, parce que clairement, c'est dans ce format, je pense que le rogue arm doit être punitif. En fait, le problème, c'est que si tu tombais contre rogue arm, s'il y a un match, si tu génères pas ta barrière, ben, tu peux te faire très vite punir. Et du coup, le rogue et le match-up contre rogue arm, le prêtre est clairement derrière si tu as pas de 12. Et là, du c'est coup, ça. Il a rajouté des petits 12 pour éviter de. Ben, pour avoir non, clairement, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait dans les précédentes rencontres, on a vu qu'effectivement il y avait des line-up qui visaient le prêtre. Donc, du coup, j'imagine que du coup, et avec justement le regard, donc j'imagine que c'est peut-être ça. Je vais voir du côté des joueurs s'ils sont dans le lobby, ça devrait pas tarder. Ok, bah, je vais leur dire que c'est bon, ils peuvent commencer. Alors, okay. Vous pouvez commencer. Hop. Donc, c'est G4U et Gabi. Ah oui, par contre, faut que je leur dise un truc aussi qui est important. C'est les bans. À l'occasion. Et du coup, que je regarde ici. Alors désolé, hein, je regarde juste avec ok avec eux, donc normalement ça devrait être bon d'ici sous peu. Ok, ça devrait être bon, ils ont okay. L'info. Et on va se mettre tout simplement ici. Et pourquoi? Alors, hop. Très bien. Ok. Du coup, alors si jamais c'est en premier Gabi et ensuite G4U. D'accord. Comme ça, tu as tout. Tu as le bon sens. Ok, va défier de ses contacts, ça ne devrait plus tarder. Alors, tandis que moi, j'ai un petit problème de cam. Pourquoi? Je ne sais pas. Les joies. Alors, Gabi va diviser ce contact, toujours pas commencé, on attend, on se prépare. Je me demande si s'ils hésitent beaucoup sur le premier, peut-être que... Grande décision, ah, a priori, ça a dû commencer. Ça commence, chevalier. Ouais. J'ai l'impression aussi. Alors, parfait, donc on commence avec le prêtre. La victoire ou la mort ? La lumière nous apportera la victoire. Ouais. De ce que j'avais entendu dire, le match-up est quand même plutôt en faveur du War qui va faire de l'armure et qui va tenir et qui va achever le prêtre avec ses toons.
Ouais, parce que le War, en théorie, il va juste. Il va juste ben, jouer ses pièces de. Il va jouer ses pièces de clown sur la curve. Et du coup, ben, il peut pas les voler. Le prêtre ne peut pas les voler avec. Avec Mali, avec Illusia. Et donc du coup le ouais, le, voilà, le War va tenir et va je vais le prêtre avec tout. Donc voilà comment ça se passe globalement le match-up. Après à voir. Je pense que ils ont traîné le match-up et peut-être qu'ils ont des stratégies peut-être innovantes pour gagner ce match-up. On verra bien. Effectivement, on verra bien ce que ça va donner. Après. J'ai tendance à croire que. Ouais, en fait, c'est... j'ai l'impression que dans ce match-up, c'est Illusia qui va faire un peu la game, quoi. Mais. Face à un Khtoun, ça me paraît compliqué pour le prêtre. Enfin, j'ai envie de dire que le bois est peut-être au-dessus dans ce match-up. Oh, bon petit update du côté de Gabi, la petite 2-2. Pas mal du tout. Bon après, on va pas se mentir, le setup va être long les amis, hein, donc préparez-vous. Préparez vos oreilles. Parce que bon, en général, le vrai moment où ça se passe, c'est quand il va rester 3 ou 2 cartes dans le deck de chacun, donc c'est là où ça va après, commencer. Si le prêtre arrive, par le miracle ou par un autre, à mettre de la pression... C'est vrai que le prêtre, des fois, surprenamment, peut arriver à mettre une grosse pression. Là, par exemple, une petite apothéose, s'il a pas le tourbillon, ça peut être une carte. Ça peut aller très vite. Je suis tout à fait d'accord que des fois, le prêtre a un potentiel d'agressivité qui peut parfois surprendre, et si derrière t'as pas la gestion, c'est compliqué. Mais pour le moment, en plus, on a récupéré la hache qui permet, mine de rien, de assez vite fit son deck, enfin récupérer les cartes. Oh, ouais. T'as la possibilité de raise dead pour ressusciter la 2-3, mais c'est juste pour donner une cible. Et j'adore le play qu'il vient de faire de juste poser Samuro. Samuro n'en a absolument pas besoin dans le line-up et dans le deck. Et ça permet de corrompre. De corrompre le insight, la pioche pour deux. C'est ça. Donc, je pense que c'est aussi une manière aussi de se dire on va tenter d'agresser si on a un potentiel d'agression. Et aussi. C'est pas avec la que tu vas agresser, je pense que c'est juste pour corrompre la insight. Oui, pour corrompre aussi, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est plus pour corrompre et pour pas être ridicule quoi sur le tour 4. Après c'est pas une insulte qui va agresser là. Non bien sûr, non, mais quand je dis agresser, je veux dire pas forcément agresser dans le sens où on va être ultra méchant, tu vois, mais il y a quand même quelque chose, tu vois, tu peux pas ignorer non plus, tu vois, ça je veux dire. On fait pas rien. C'est ça que je veux dire, et on fait pas rien non plus, c'est surtout ça l'idée. Mais effectivement, du coup on a top decké la contraindre, ok. A priori ça envisage la rancune. Juste pour. Ok. C'est juste pour la draw, ok. Et propre. Ah, récupère pas l'arbure, mine de rien. Ah, là du coup, c'est un très bon tour pour faire Rise Dead parce qu'il va ressusciter le. Il va ressusciter la de croire et ça, et du coup, il peut poser le gros ancien. Et il ne va pas se courir la résurrection par des deux-deux. Ouais, c'est plutôt pas mal ça quand même. Hein. Ah, ouais. Ogre ancien qui, mine de rien, pareil, peut gêner. Donc, il bloque le tourbillon à 3, donc c'est ça. C'est un truc, et puis ouais, ça bloque. Et là, mais il a quand même une bonne réponse avec le Kargat. Il peut mettre Kargat et arme, ou alors tout simplement faire la pièce de Setoun. Oui, tu as envie, comme j'ai dit plutôt, de jouer les pièces de Setoun sur la curve, et là il le fait immédiatement. Et moins, ouais, en général, t'as pas trop envie de les garder en main, les pièces de Khtoun, sur justement une Illusia qui pourrait... Bon, pas encore, mais en général, c'est pas la carte que tu vas garder en main. De quoi dans ce match? Préférer meilleur des âmes, ok. Ok. Quoi pas, hein. Par contre, Les autres cartes qu'il avait générées à côté étaient pas non plus très bonnes. Ouais, il y avait pas une carte qui surpassait l'autre concrètement. Je dis peut-être que Mirror.
Charge Guerrière qui met un top DK, qui bien évidemment, depuis qu'elle est passée à 5, j'ai l'impression que ça change un peu. J'aime bien aussi l'idée de piquer le miroir des âmes parce que il peut, s'il génère avec le sort à 3, par exemple un Rattle Gore, un. Oui, effectivement, le click trip. En fait, un click trip, voilà, ça peut. Ça peut. Ça peut toujours être utile et ça. Voilà, ça peut aider donc. J'aime bien l'idée. Yep. Sachant que de base, il n'y a pas click trip au cas où, mais et c'est vrai qu'il peut le générer. Il peut générer un click trip. Et c'est vrai que récupérer sur un miroir des âmes, c'est jamais anodin. Oh, une autre résurrection. Yesh. Shadow of Green qui sera, ben, qui sera inutile dans la main. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à faire, ouais. Keeper off. Ok, on va gérer tout simplement. Ok. Mac Deridon aussi qui est aussi dans la main déjà de l'Ukrainien. Pas grand chose à faire à un côté. Ah si, on peut chercher un dragon, j'imagine que ça va partir là-dessus. En vrai. Après réanimation. On est d'accord que c'est le mauvais play en temps normal, mais est-ce que là, tu le dis pas, il y a McTeridon en main, et tu fais juste Illusia et tu mets le McTeridon sur le board. Mais ce serait une vision de jeu un peu bizarre et de voir que l'adversaire a McTeridon précisément en main. Ce serait le play, bien sûr, même si on avait toute la main, mais... C'est quand même un peu greedy. Ouais, je pense que... aussi. Après, est-ce que c'est vraiment game breaker de chercher le McTeridon? Bah, de toute façon, t'as pas grand chose. Comme j'ai dit, y'a pas grand chose à voler dans la main du. Ouais, non, dans clairement, je suis d'accord. Oh, et ça le fait. Il le fait. Oh là là, ce call. Est-ce qu'il ce call du co-caster, oh, incroyable. Alors, est-ce qu'il fera McTeridon ou pas? Il fera McTeridon. Ouais, incroyable. Et là, du coup. Oh là là, ce génie. Ce génie. Du coup, et c'est vrai qu'il peut pas vraiment nullifier sa main. Il peut ressusciter des trucs qu'il ne veut pas. Genre ouais. le réanimation peut effectivement être embêtant pour Gabi. Il récupère quand même le Seigneur Barov. Ça reste ok. Et il va lui donner un shit slam. Pour dont il pourra jamais avoir l'utilité. Ouais, chez Tom, ça servira à rien pour lui. Tour de force, il pourrait en avoir l'utilité, mais ça, non. Il pourrait carrément utiliser le système sur la 1-3, genre, mais... Ouais, c'est ça. Vague d'apathie qui saute. On va lui donner un mauvais dragon, bon, qui n'est pas si mauvais, mais bon. Ok, distraire ça pour encore lui. Animation rapide de nouveau. Oh là là. Et beaucoup de play. beaucoup de play qui est fait quand même. C'est pas évident. C'est pas évident. Ok. Et là, du coup, côté Gabi, il a un play incroyable à base de Barov et Soul Mirror. Comme ça, il clean tout le board. Et il a une. Ah non, mais le problème, c'est que son McTeridon, du coup, sera exécuté et on sait qu'il a une contrainte en face. Donc, c'est ça le problème de ce play-là. Après, ouais, il a une contrainte. Donc, je me demande. Ah oui, j'étais en train de me dire si t'avais des 1-3 de ton côté. Et qu'elle meurt, est-ce que ça active aussi? Mais non, c'est que les 1-3 de l'adversaire. Ok. Du coup, on vient de récupérer le cache corsaire, mais qui lui servira... non, si, ok, il a pas... Non, bah non, qui lui sert à rien, je crois, parce qu'il a déjà toutes ses armes de récupérer. Il
on peut partir sur Kargath a priori. Ok, du coup est-ce qu'il va sacrifier? Non, il va pas sacrifier. Enfin, il peut pas tout sacrifier. On va mettre les deux 1-3, faire l'arme et piocher. Ok. Ok. Ok, ok. Alors on est combien? Il reste 17 cartes côté Ukraine, 15 côté Gabi. Ouais, pour le moment, c'est pas fou. Hein. Ça se regarde encore en chien de faïence. Juste ce heal. Rien d'autre. Ah, oh, c'est triste. Bah, en vrai, il peut rien vraiment faire d'autre. Hein. C'est pour l'instant. Après, c'est le match-up qui veut ça aussi. Hein, donc, je pense que j'aurais pas fait plus que ça non plus. Le problème de faire idole, c'est qu'il va juste suicider la créature. Oh, attends. Récupère le blâme. Et on passe son tour. Oh non. Oh mince. Finance, mais. Et du coup, c'est Loir qui met de la pression. Bah, du coup, ouais, forcément, mais. En fait, je sais pas quelle est la strat au final de Gabi pour la gagner, parce que. Au moment où Khtun va paraître. Comment il va faire en fait? Oh, le limon. Le limon qui est ma foi plutôt pas mal effectivement. Ça permettra clairement ici de ralentir le joueur. L'interaction que je parle du coup, le fait qu'il soit blessé du coup exactement. Il n'a pas besoin d'activer la combo, il peut juste contraindre naturellement. Ah, il décide de se heal plutôt que de heal Macteridon. Ok. C'est dommage parce que du coup il a. Ah, il a un contraindre facile, mais ouais. Il a un contraindre facile sans besoin d'avoir forcément besoin d'activer la combo. Peut-être qu'il n'y avait pas pensé sur le coup. Après, bon, dans tous les cas. Ça n'a pas changé rien grand-chose, je veux dire. Oui, ça n'a rien changé. Je crois qu'il savait aussi qu'il avait Vierge Guerrière et que son tour, ça risquait d'être certainement Vierge Guerrière. Oui, non, clairement, je pense que. Là, c'était pas non plus The Play à faire. Ok. Ah, ça va être dur, hein, je pense, pour Gabi. Ouais. Ça va être très dur. Parce qu'on a quoi d'autre? On a Izera, mais je sais pas si Izera va vraiment. Il décide de faire ça comme ça. Je voyais plutôt, moi, une apothéo sur le limon et de mettre plutôt que Izera là. Mais il préférait développer la 3-6. Ok, ok. Peut-être qu'il veut garder l'apothéose pour vraiment les grosses créas. Pour qu'elles deviennent plus embêtantes. Possible. Sa deuxième Kargath. J'imagine que peut-être le. Un bouclier derrière sur la 3-6. Oui, un bouclier moins. Coûte moins cher, mais contraindre et. Bah, c'est surtout que pour le moment, tu peux l'utiliser sur tout, ce qui sera peut-être moins le cas par la suite. Non, il peut chandonner. Ah oui, Fred, tu me diras, il y a le. Il y a le Primus. Il peut chandonner et. Et taper avec son arme dedans, s'il veut absolument la gérer, mais... Ouais, non, il veut pas, ok. Ça dit qu'il n'y a pas besoin... Idol, discharge, en tout cas, qui est envisagé. À un moment, faut y aller, hein. Bah ouais, mieux vaut le faire, je pense, maintenant que plus tard. Ouh, pas mal, ça. Bon, okay. Après, ça va se faire gérer, mais...
Ouais, ce sera facilement gérable, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage là-dessus. Bon, après, en boire, bon, c'est en général peu surprenant. Mais ça lui empêchera de développer une Isera, cela dit, donc... Tempête de l'âme et chambre. Ouais, ce sont les gestions peut-être les plus compliquées à caler, donc au final... Oui, tempête de l'âme... Bon, après ça va, tempête de l'âme, étant donné qu'en général, il n'y a pas énormément beaucoup de créas sur le board face à un prêtre. Après, champ de mine, effectivement, peut-être plus délicat. Isera... Si Isera, il aura la main full parce qu'il peut pas se débarrasser de soit du rêve. Il va faire le châtiment. Il décide de faire châtiment là-dessus et de pas récupérer, d'attendre plus tard pour récupérer le petit dragon. Intéressant. Yep. Le Primus qui vient de top decker, ça fait mal par contre. Excellente réponse. Yep. Parce que pour le coup. Il pouvait pas faire Primus avec. Enfin, il aurait pu, mais il aurait dû faire autre chose derrière. Alors que là, le Primus à lui seul suffit. Ce qui est dommage, par contre. Ouais, Scorpide, miroir, je pense, en théorie. Scorpide. Hystérie. Pour être intéressant. Ça permettrait de gérer le Primus, mais y récupérer de l'armure. Ça, c'est chiant. Il y a Hystérie. Il y a miroir des âmes. Non. Je suis bête. Je suis totalement bête. Ouais, ça. Ok. Du coup, ça a préféré mot de pouvoir. Ok. Ce miroir des âmes est mine de rien est pas mal le fait de lui rajouter de l'armure. Parce que s'il se met full life en ayant toujours de l'armure, il s'immunise un peu d'un one shot sur le Ktoon. Après, est-ce que c'est pas ça la strat? C'est d'attendre les Primus pour faire les mirrors et te mettre assez d'armure. C'est peut-être ça la stratégie du futur. Hein. Je vois que ça comme strat pour tenir face à un guerrier. Et là, en vrai, je me rends compte qu'en vrai, ben oui, forcément, il récupère aussi l'armure. Là, il a plus qu'à se mettre full life et il a 40 points de vie pour le moment. Donc, hors d'atteinte du Ktoon. Après, le seul truc, c'est qu'il est quand même 4 cartes d'avance par rapport à G4U, donc c'est quand même de la fatigue en plus. Après, j'avoue que c'est des match-ups que j'ai pas forcément souvent l'occasion de voir. Hystérie, ok. Hystérie ? Ok. Intéressant. Bah, il se dit probablement que... Bah, il faut bien qu'il se vide la main, c'est sûr. Et que Hystérie, c'est pas une carte forcément qui sera plus difficile à vider. Bah, a priori, il estime qu'elle est pas forcément utile dans le match-up. Après, ouais, il commence à avoir quand même beaucoup d'armure, hein, le Warrior. Je dois t'avouer que j'ai jamais fait le match-up que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais c'est vrai que... Bah, j'avoue que ce Warrior, je le joue pas spécialement, et prêtre, je suis pas un aficionado non plus, mais je le rencontre souvent. Mais c'est vrai que, ouais, ce match-up... Ce match-up est tellement étrange. Clairement. clairement. Ok. Deuxième Kargat. Est-ce que tu le suscites dans le... Bref, est-ce que c'est pas overreact, peut-être? Bah, au final, c'est pas... Ça serait pas déconnant, c'est sûr, mais... Mais je pense que peut-être c'est overreact, quand même, mais... Ouais, je pense aussi, mais... On va voir. On se contente juste d'armor up, ok. Bon, en vrai, c'est vrai que la menace côté prêtre est pas grande. Proto-Drake, peut-être? Ouais. Le Proto-Drake est incroyable contre le guerrier. Ouais, il est plutôt pas mal. Il tient bien sur le board. Il est plutôt pas mal.
Par contre, il va falloir jouer une carte si on veut pas se faire overdraw. Le proto Drake, non? Je me ou le demande... mot de pouvoir sur le. Sur le. Bah, je pense que t'as envie un peu de booster le board pour justement forcer un... une gestion et derrière mettre le proto Drake. Ok. Du coup, on récupère la tempête de l'âme. On envisage a priori Isera. Mais Isera, du coup, elle se fait un peu friterer. Ah, mais non, il peut faire Isera hors bouclier. A priori, c'est peut-être ce qui va être envisagé. Qui va faire Primus. Ah, Primus dans la 3-6 peut-être. Ouais, du coup là maintenant qu'il a été boosté, il se dit que c'est bon de le suicider pour éviter de le mettre en besoin. Yep. Et non, il va pas le suicider, très bien. Et du coup, je crois qu'il va refaire. Il repart sur la même stratégie, je crois. Hein. C'est bah, faire... ça va être la même strat. Hein. Garde de l'armure pour éviter de se faire... Mais encore une fois, c'est très smart, mais est-ce que ça va suffire? C'est ça le seul truc. Est-ce que Gabi n'a pas trop pioché? Ouais, ouais, c'est ça, un temps de fatigue... C'est ça, en fait, là pour le coup, en fait, ils auraient été au même nombre de cartes, j'aurais dit, ok, why not. Mais 4 cartes d'avance, ça peut faire sa différence quand même. Il a presque quand même autant de vie, et surtout que plus c'est 30 points de dégâts derrière. La main. Mmh. Ok. Ah ouais, non, mais là c'est. Réveil d'Isera, du coup, ok. Avec le pouvoir festin, je pense, pour remettre le scorpion full life. Et on récupère ici l'esprit de bon augure qui permet toujours de mettre du board afin d'ennuyer le war. Je tourne vers les autres choix, mais en effet, c'est de toute façon c'est un bon choix. De la et là, on récupère le troisième morceau, je crois, de Ktoon. Non, notre deuxième, pardon. Le deuxième morceau. Et du coup, si, pardon, c'était le troisième. Alors. Donc le troisième, et il en reste encore un pour activer le Ktoon. Ok, du coup, on va essayer de faire un maximum de value avec ces petites tisvoiles. Ouh, pas mal. Voilà. Allez, c'est le moment où faut générer des choses là. Ok, du heal qui est plutôt pas mal ça. Encore du heal. Le ralliement qui est très très bien, qui permettra encore une fois de récupérer le. Ok, châtiment sacré. Et... ok. Là, il va falloir jouer le spell à zéro. Ok, non. Ça permet d'overdraw aussi. C'est quoi ouais, ça moi, je pense qu'il doit connaître la carte et qu'il s'en fiche de l'overdraw, j'imagine. J'imagine aussi. Heure de bouclier. Ouais. Qu'à faire, je pense. Alors, a priori, il y a quelqu'un qui dit qu'il a l'impression d'entendre Maverick. Je ne sais pas qui, mais ok. ok, du coup... Hystérie, ok. Du coup, on va mettre le proto-drake. Et quand même, côté Gabi, on va commencer à prendre la fatigue. Isera va commencer à être là. On a quand même encore pas mal de gestion, hein, mine de rien, côté G4U.
plus les Zera qui est là pour embêter. J'imagine qu'il y a au moins peut-être un Hurt qui va partir. Un cauchemar, ok. Se vit de son cauchemar et de son rêve. Et le rêve, ok. Esprit de bonne augure, du coup. Il va faire également le numéro 2. Ok, 7-8-5 qui est pas dégueu, mais ok, ouais. Bon, et Gabi, il le sait, a priori, c'est foutu. Alors, ça aurait été effectivement compliqué, hein. Mine de rien, la strat derrière de prendre effectivement le Primus, enfin de copier le Primus via le Miroir des âmes est une idée, mais ouais, c'est difficile quand même. Très 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 difficile. Et premier point mis du coup par l'Ukraine. La victoire ou la mort. Personne n'échappe à ma fureur. Et du coup il répond en rogue, ok. Yep, il répond en rogue. Rogue pour le coup, peut-être un peu plus faisable déjà. J'avoue que je connais pas forcément bien le match-up, enfin voir surtout qui a plutôt l'avantage par rapport à l'autre. On peut aller voir vite fait les stats. Okay. Déjà il y a une bonne sortie, il a Octobot. Il a une bonne sortie, effectivement. Octobot main crit, c'est des cartes que tu veux absolument avoir dans la main en early, c'est genre trop des cartes de toute façon trop trop fortes. Alors. C'est avec Scorpid, et du coup ça va le gêner un petit peu dans son plan parce que du coup, il peut pas le réduire avec. Il peut pas réduire Octobot, il peut pas réduire la main. 66% de win rate quand même hein, pour le guerrier quand même. Ouais. Donc ça va être dur quand même pour Gabi. Les stats à Stun Replay encore une fois sont des stats et ce sont. Ouais non bien sûr. Mais là je prends que les légendes. Si je prends que les légendes, donc techniquement des gens qui ça va un peu plus jouer que la moyenne, entre guillemets. Ce qui est pas forcément vrai. Ouais. Parce que je précise que bien évidemment on peut passer les gens facilement, mais voilà, c'est des gens qui connaissent, on va dire, au moins un peu la méta. L'excellent Manclic Freeze. S'il vous plaît. Et c'est vrai qu'après voilà. le voleur aussi, je pense, c'est un des decks aussi les plus, je pense, compliqués quand même à jouer à haut niveau. S'il est capable de faire beaucoup de choses. Et là il est vraiment gêné parce qu'il peut. Ah du coup il Kargat. A priori on va Kargat. Ça permet de one shot la pieuvre. Et le problème c'est que la pieuvre il n'y a pas de carte en main donc ça sert à rien de vouloir absolument one shot une carte qui a. Quand il a absolument. Ouais mais tu peux avoir peur de la combo avec le Tenwu et Tenwu et Alexstrasza. Il se met giga bien avec la position d'illusion. Mais en fait, ouais, souvent ce que t'as peur avec la pieuvre, c'est que ça setup trop facilement la combo avec l'Alexstrasza et Tenwu, et tu peux mettre énormément de points de dégâts en un tour. Surtout Mancric ici tous les jours, parce que. Tu ne sais pas, potentiellement. Pas mal. Parce que potentiellement. Tu veux la faire potentiellement dans une situation où tu peux essayer de découvrir une carte en particulier. Oui, c'est ça. Et le petit renard, tu veux le garder éventuellement pour pouvoir faire un truc pour un mana alors que ça en vaut 4000 donc. C'est ça. Bon, bref, tu préfères déjà de meilleurs cartes donc. Non, clairement là il côté Gabi, on est très 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 bien. Après côté guerrier, on a l'arme. Voir comment ça se fait l'arme. Donc
recommande cette arme à piocher, mais on est quand même déjà plus qu'à 19 points de vie, sachant qu'avec en voleur ça peut aller très vite. Est-ce qu'on met cette Gen 10 ou pas? J'aime bien cette up néophyte voleuse peut-être. Il y a un setup, il y a un play voilà, avec néophyte, néophyte voleuse, et tu regardes après, éventuellement. Bah, en vrai, si tu sur néophyte voleuse, si tu récupères le, genre, le masque de Cthulhu, ah, tu te mets bien. Après, j'en dis sur 6, c'est quand même un play très tentant. Mais parce malheureusement... Que du coup, ouais, bah c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que sur Baston, est-ce que tu te fais pas un peu punir facilement? Je pense... C'est ça le truc. Ah, il est nouveau sur Mancreek. Ah oui, il veut vraiment mettre du Mancreek. Hein. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver Olga. Ok. Et du coup, voleuse. Déflagration. Oh, le blast. Quoi ? Ok. Ah, ok, il prend l'autre source, ok. L'autre source, en vrai, l'autre source, c'est pas mal, hein, c'est vrai. Parce que c'est vrai que s'il se fait très vite gérer. Toutes ces cartes, il n'y a plus de follow-up derrière. C'est pas le choix qui me semble. C'est un choix intéressant, sachant qu'il a la main vide, donc il a besoin de se la faire. C'est peut-être une crainte, effectivement, de perdre trop facilement son board et sa main. Et puis surtout, il y a un truc à savoir, c'est qu'il a mis énormément de spells dans son deck et qu'il a pioché énormément de millions depuis le début de la partie. Donc, aux deux sources, au final, il a de grandes chances de récupérer du mana dessus. Donc, c'est vrai. C'est en termes de value, c'est vraiment pas mal. C'est vrai. Ouais, j'avais assez facilement le board ici. Côté insane, passage secret. Et on récupère. Oulala. Oh la maman. Ah, ça fait chier parce que dans les deux cas, t'as pas envie que l'une meure trop facilement, mais. Est-ce que. Tu mets pas Est-ce que tu la mettrais pas sur la 7-8 au final? Il y a vu les deux. Bah en fait, ouais, c'est ce que j'allais dire, les deux champs de mine sont passés. Donc Moonfang est au final une plus grosse menace que Arcée Mental. Parce qu'en fait, le truc. Ouais, non. Ouais, il a pas d'armure en vrai. En fait j'aurais fait pareil, j'aurais mis sur la 7-8 aussi. Très très bon choix, j'aime bien. Ah ouais. Ça résiste facilement à un Shit Slam ou un Horde Bouclier, donc non en vrai c'est pas mal. Ah, Champ de Mine qui vient d'être récupéré, ça par contre c'est... Mais... Si tu le sais, effectivement tu le fais. Mais tu vas peut-être avoir envie de tester avant quand même. Je me demande. J'avoue que s'il fait champ de mine, c'est tellement goldé, mais t'as pas envie de gaspiller. Il va tellement devenir Fukabi si il joue champ de mine là. Ouais, j'avoue. Parce que là, champ de mine. En plus, en top deck. En top deck. C'est terrible. Je dois faire un choix. Rancune. Ah, bah du coup, c'est le Brain qui a parlé. Et ça, c'est plutôt pas mal en vrai. Parce que du coup, ça fait quand même deux cartes hein, pour gérer ça. L'arnaque qui va être lancée ici. Est-ce que tu joues à 3-2 avant de faire la deuxième arnaque? Ou est-ce qu'il préfère autre source? Autre source, ok. Qui lui permettra de récupérer 2 mana. Kazakus qui est très très bien ici. Je pense que ça aurait de golem à 10, je pense, non? Je sais pas. Je trouve que c'est toujours un choix très compliqué quand même. Surtout face à War qui peut gérer très facilement. Est-ce que t'as envie de perdre tout un tour à poser des golems? Du coup, je crois qu'il a pris les 5-5, hein, il me semble. Yep. Camouflage et dégâts des sorts.
Ouais, c'est pas mal. Parce que du coup, ça permet de... Comment anticiper ? Est-ce que ça permet de mettre plus de dégâts sur les coups de poignard ? C'est très très bien. Je pense que les golems d'Isis, c'est bien quand ils jouent contre un... contre une classe qui n'a pas la gestion forcément facile d'un board. Du coup, Cash Corsair qui permet de récupérer la rempart Azinoth. Ça permet de bien tanker. Ça, par contre, ça peut bien ralentir quand même Gabi. Ok, donc on va faire le Horn Bouclier. Et bon, pioche. J'imagine qu'on va quand même finir sur une rempart. Yep. Ouais, ça paraît logique, évidemment. Ah là là. Ça paraissait logique. Un Mancric qui va sortir. Il était temps. Sachant qu'on rappelle, il en a 3 dans le deck. Hein. Et un deuxième. Allez, le troisième. Ah non, ça aurait été trop beau. Néophyte voleuse. Oh, ça aurait tellement parfait un masque de Cthun. Aïe. Un secret. En soi, ça peut être pas mal. Counterspell, je pense. Ouais, je pense que t'as envie de Counterspell, ouais. Clairement. Clairement. On va taper. Enlever un stack d'armes. Il rentre cette appui de back parce qu'il va pouvoir enlever deux stacks de. Yep. Encore de. Deux. Du coup, bah. Là, l'imbéro. Là, c'est baston, mais il est obligé de tourner autour du counterspell, je pense. Donc, il sera obligé de faire champ de mine et baston derrière. Je pense pas. Je pense pas qu'il y aura autre chose à faire ici. Non. Ouais. Champ de mine et la baston derrière. Alors on va espérer qu'il y a une 3-7 qui reste sur la baston. Et évidemment. Et c'est une 3-2. Aïe aïe aïe. En tout cas, on peut enlever l'arme. D'abord, ouais, d'abord, comment tu commences à piocher avec. Avec 3-2 et arnaque. Ou est-ce que tu ferais pas un passage secret ? Non. Ouais, t'en as 2 en main. Après, faut voir ce que tu veux chercher aussi avec le passage secret. Un petit potentiellement, il faut juste faire passage secret et Alex Hazard, en ayant tapé 2 fois dans le truc, en fait, ça peut être pas mal. Surtout s'il chope un. Il me semble qu'il a joué aucun jeu de step aussi, donc s'il fait juste avec sa vraie chose de step. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être un choix intéressant ici de passage donc, secret. Je pense qu'à mon avis, ouais, passage secret va être envisagé. C'est passage secret qui part, je crois qu'il récupère le gras. Donc, le deuxième coup de poignard. Ouais, je pense que ça va être au gras ici. La petite pieuvre. Et on retire l'arme. Il a envie de garder le. Il a envie de garder le weak stat pour. Ah non, il décide de l'envoyer. Bah, je pense qu'en vrai, oui. Ça me paraît pas déconnant. Il veut se vider les cartes. Ouais, sachant qu'à tour d'après, il peut mettre 8 points de dégâts avec le machin. Donc en fait, il set up létal s'il n'y a pas d'armure en face. Là, il a 8 de burst. Bah la 8 plus l'arme ça fait 9 si le board est géré et qu'il n'y a pas d'armure évidemment mais donc ouais il y a clairement moyen d'avoir très facilement le létal côté Gabi. Ils vont faire Barof et Tourbillon je pense et Tempête. Barof, Tempête et Armure hein.
Parce qu'il sait qu'il est mort sur Alexstrasza, qu'il est mort sur pas mal de trucs, donc... Il a setup à 9, c'est pas pour rien, donc il va tourner autour de lui, gars. Du coup, le morceau de Cthulhu... Mais mieux que de Cthulhu plutôt que de Tourbillon, c'est intéressant. Je savoure... Il faut pas si mal que... Pourquoi, effectivement? Bah, en fait, je pense qu'il part du principe que si c'est les golems 10-10, il peut faire la tempête de l'âme derrière. Tout simplement. Là, encore une fois, je crois que c'est un passage secret. Hein. Ouais, je pense aussi. Passage secret... Est-ce qu'il dit qu'il y a un autre moyen de trouver un lethal? Ou alors, est-ce que tu fais contact grand golem? Non, juste... Ok, non, ok, arnaque derrière... On va envoyer du coup le coup de poignard. Et là, il n'y a plus qu'à récupérer Alexstrasza et c'est létal. Hein. Ah, le Primus. Ah, mais le Primus qui ne peut pas être activé. Enfin, qui ne peut pas récupérer l'armure. Quel dommage. Mais ouais, je pense que Tempête de l'âme, il l'a gardé pour justement pour les golems camouflés. Que ce soit 5-5 ou 10-10, ça permettait de... Là, il a 5 chances sur 8 d'avoir l'étal. Alors le niveau stat, je ne saurais dire avec passage secret, mais... Et le passage secret. En tout cas, on va activer le Magteridon. Il y a plus de secret sur l'étal. Et c'est vrai qu'il lui faut pas grand chose. Hein. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Il y a Scorpide également qui peut donner le létal. Oui, c'est vrai. Scorpide peut effectivement donner le létal. Et je crois qu'il le récupère. Ouais. Alexstrasza a récupéré. Incroyable. On égalise côté France. Oui. Let's go. C'est ça qu'on veut. Wallé. Très très bien. Égalisation. Pour la France. Mesdames et messieurs. Ok. Très très bien. Ce qui veut dire que nous aurons du mage contre du voleur. Donc comme quoi, même avec un mauvais match-up, selon les stats, ça passe quand même. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu un très bon start quand même, côté Gabi. Un très 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 bon start. Il a voleur son fromage. Vous l'avez cherché, personne n'échappe. Alors, niveau stat, je saurais dire en vrai. Je veux dire tout de suite. Ouais, c'est 50-50. Hein. Si on a 51% de win rate pour le mage, mais bon, voilà, autant dire que. autant dire que voilà, ça va se jouer au skill. Il a fui, il a. Springwater. Il a autre source. Non. Par contre, j'avoue que, ouais, on a une très très bonne sortie côté. Pas comme ça. Côté Ukraine. Ah, pas comme ça. Pas comme ça. Bon, ça veut rien dire encore. Ça veut rien dire, évidemment. Rien n'est joué. Je sais plus s'il y avait. Il a un secret. C'est incroyable. Ouais, c'est terrible. Oui, il y avait le Deck of Luna ici, oui. On l'avait. Ouais, j'avoue, ça va être dur. Hein. Ça va être dur, mais on y croit quand même. Et il a le board, il a posé une 3-2, une 2-3 quand même autour de 1. Ça... Je pense que c'est pas un tour 2 à faire, c'est pas un tour 2 quand même. C'est vrai que pour le moment, on est quand même, on reste quand même bien côté Gabi. Je veux pas prendre Solarian pour donner des cases dans ton deck. Minimage peut être une option, en effet. Minimage est plutôt pas mal parce qu'en voleur on n'a pas spécialement de quoi le gérer. Et si comme elle est permanente camouflée, c'est du permanent spell power. C'est ça. Avec 3 points de dégâts en plus qui peuvent soit aller dans la tête, soit gérer une créature. Non, clairement c'est une très bonne carte.
Il décide de prendre Solarian, deuxième plutôt que Phoenix. Ok. Ok. Ouais, je sais pas si ça va vraiment jouer au late game, hein, à mon avis, donc bah pourquoi pas. Ok, ok. Passage secret qui est top decay ici. Mais on va. On va pas faire grand chose, donc je m'en fous pas chercher plus. Donc on va surtout perdre. J'imagine qu'il va peut-être menacer le plus possible, mettre un maximum de board. Et j'aime bien. Tu prends l'élémentaire, parce que le reste tu en as d'autres à faire. Ouais. Et la question c'est, est-ce que tu marchands que tu... Ah, tu dagues, ça c'est sûr. Est-ce que le marchand, que... t'as peut-être pas envie, ça... ok, s'il va le mettre. Tu le mets sur la 3-4, je pense. Ouais, ouais. Après, en termes d'agressivité, on est plutôt pas mal, et ça reste quand même chiant pour le mage de gérer... Et surtout qu'il n'y a pas de combustion donc pour le moment. Ok, on récupère gel mental. Toujours pas de combustion. On récupère le missile d'Evo. Alors, peut-être d'abord, gel d'abord gel mental sur la 3-2. Puis ensuite tu fais les missiles d'Evo. Ouais, là il y a beaucoup de plaies possibles. Parce qu'il va peut-être aussi placer une scruteuse. Ou alors est-ce qu'on ping gel et missile? Ouais, t'es dans une position défensive là, dans côté du match. Ouais, ça me paraît compliqué ici de. Je me demande. Ça paraît compliqué, c'est... Ah, il ping, ok. Il ping. Et du coup, il sacrifie sa créa, d'accord, ok. Ok, il veut pas prendre de risque. Effectivement, il est déjà à 17 points de vie. Il peut pas trop se permettre de la perdre si rapidement. On va poser la masseur, j'imagine, derrière élémentaire d'eau. Pose la masseur. Il veut forcer le ping en fait sur la 2-1. Il lui force à faire un tour faible. Bah, je pense qu'à mon avis, il se dit le moindre dégât que je peux mettre, c'est bonus en fait. C'est juste du bonus. Donc, vous, pouvez aussi garder la 2-1 pour piocher avec le. Avec la 3-2. Ah mais il force le ping, ça c'est effectivement très bien. Je pense que c'est ce qu'il avait envie. Et passage secret peut-être. Moi qui veux faire le. Pas le contact, c'est vrai que ça met du board et ça met toujours de la pression. Ouais. C'est ce qui va être fait. Très bien. Escroc rusé. Tu le fais tous les jours. T'as besoin vraiment de piocher et ça reste une 3-2. Ouais, ça reste toujours ok. Clairement. Et je pense que ça forcera à faire masque de Ktoon. En espérant que ça gère pas tout, forcément. Oh là 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 là. C'est grand, le talent. La marque des grands. Le talent des joueurs français, incroyable. Oh, cette néophyte qui est très bien aussi. Néophyte. Est-ce que t'as pas envie de la poser? J'en dis, en fait, t'es trop à la... Bah, il préférera. Bah, j'aimais bien néophyte, parce que justement, ça empêche... un peu de... de mettre trop de pression côté mage. Oh, le Shadow Step, il est incroyable aussi. En plus, c'est très bien parce que ça fait piocher, en même temps t'empêche d'être trop violent côté mage. Ah, on est très 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 bien. En plus, un secret qui va pas être tout de suite. Ah, ça c'est terrible. Ça m'a coûté 4 millions. Et le Shadow Step de nouveau. Comme ça, il ne peut pas jouer le mage. Ah là, il peut plus rien faire. Il ne faut pas jouer. Ah là 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 là, voilà. Incroyable ce Gabi. Mon dieu. Quelle puissance.
Eh ben, c'est la marque des grands, on dira. C'est la marque des grands. Oh là là. Ah, il nous a fait rêver, là. Il nous a fait rêver. Ah non, ça a été plutôt bon. Ah non, là, c'était... Oh merde. Et pourtant, on peut pas dire que la sortie côté Ukraine était mauvaise. Hein. Ils avaient quand même des belles choses. Donc franchement, bien joué quand même. Ok. Eh bien, ça veut dire qu'on a déjà marqué le premier point côté France. Et ensuite, s'affrontera X-Blaze contre Insane. Du coup, alors je vais m'occuper d'eux. Si tu veux, tu peux parler des line-up. Je vais me mettre dessus d'ailleurs aussi. Donc on va commencer. On va commencer par celle de Insane si tu veux bien. Ouais. Ok. Je sais pas si j'ai la même, mais. Alors, Insane, c'est Warrior, Rogue et Mage. Donc on a un Warrior Rué. Rué, c'est ça. Yep. Avec Ogre Mancien. C'est pas si commun que ça dans les War Rué, il me semble. On commence à en voir dans les tournois, j'ai l'impression, cette petite tech Ogre Mancien dans les Rué. C'est okay. Vrai que de base, ça n'y était pas. Mais on commence à le voir de plus en plus. Et un seul crabe, ok. Du coup, maintenant, tu ne joues plus qu'un seul crabe et... C'est vrai que j'avais pas vu les dernières listes réactualisées de War Rué, mais ok. Du coup, côté Rogue, ben tu as la liste classique, donc la fameuse liste dont je parlais avec double culte au lieu de un culte et un scorpion comme le joue Gabi. Et le mage, ça reste du classique au classique avec Deck of Lunacy dedans. Voilà. Côté Blaze. On a le rogue, le prêtre et le mage. C'est ça, c'est ça. On s'est bien séparé, noté. Avec. Bah, du coup, c'est exactement le même deck que Gabi. Hein. C'est la même line que Gabi, non? Oui, pardon. Avec un prêtre. Il me semble qu'ils ont eu exactement la même line-up. Effectivement. Apparemment, ils se correspondent bien l'un l'autre sur les line-up. Alors, Insane. Ok. Alors, donc du coup, on a fait le tour à peu près. Donc, X-Blaze... si je me trompe pas, c'est Feban le prêtre. Et Insane. C'est Feban le War. Si je me trompe pas, je vais pouvoir dire aux joueurs de commencer. Papapouep. Et... Ah oui. Alors effectivement... Malheureusement, vous n'aurez pas le visage, hein, la cam de X-Blaze, mais vous aurez sa photo, bien évidemment, que vous pourrez contempler. Et beau gosse. Exactement. Alors... du coup, je vais juste vite fait leur donner le lien. Il devrait pas tarder. On va se mettre néanmoins déjà en place. Alors, tac. Donc, du coup, grosse pression pour évidemment l'Ukraine qui vont devoir quand même gagner au moins celui-ci s'ils veulent. Tenter d'égaliser et de survivre pour le troisième round. donc du coup là-dessus on est bon. Alors désolé, on est juste en train de mettre en place
Tout ça. Bon, allez. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher vos plus grands allez. Likes, évidemment, pour qui vous supportez. N'hésitez pas là-dessus. Faites-vous allez, plaisir. On avance la Marseillaise. Exactement. Bon, je vous l'infligerai pas en stream quand même. Même si on l'aime beaucoup. Mais c'est quand même très long. Ah, on va pas se mentir. Alors là-dessus, on est good. Ok. Normalement, on devrait être bon bientôt. Alors, tac. Donc, on est bon. Limoges du. Hop. Allez, on va mettre la photo de notre ami Xblaz. Voilà, qu'il est beau. Et le BG, évidemment. Évidemment. Tac. Là-dessus, on est good. Parfait. Et du coup, ben normalement, on devrait être bon. Je vais leur dire que c'est bon. Et... C'est... Quand vous avez trop d'amis, c'est très chiant de naviguer. Ok. Là, ça commence. Parfait. Alors, du coup, on va voir par quoi ils vont commencer. Hop. On va mettre le premier point pour la France. Pourquoi ? Pourquoi je peux pas avec Blaze? Alors. Faut qu'il invite. Il faut qu'il invite. Parfait. Et normalement, on va avoir une scène également. On va enlever par ça. Et... Ok, go. On a déjà le flux côté mage pour Insane. Donc même match-up hein, qu'on a eu juste avant entre Gabi et G4U. On va voir... Donc en fait, ils ont exactement les mêmes line-up. Hein. Enfin, du coup, puisqu'ils sont fait ban justement la lineup qui les diffère, enfin la classe qui les différerait. Donc, on n'a pas vu si le mage avait flux sur deux. Mais en théorie, oui, vu que ben, je vois le Flamestrike à 6. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour la France. Ouais, je l'avais dit juste avant, effectivement, qu'il y avait déjà le flux qui est passé. Donc. C'est jamais un bon start, hein, effectivement. Bon, après, on a vu qu'avant, ça n'empêchait rien, hein, clairement. Désolé, je l'ai pas entendu. Ah non, t'inquiète, y a pas de souci. Mais on a vu que ça veut rien dire, hein, effectivement. On peut très vite, quand même, s'en sortir. Ok. Ouais, effectivement, ils ont le... Ils ont effectivement exactement la même line-up à peu près, enfin, et les deux classes restantes en tout cas. Même mage et même... par contre, côté X-Blaze, c'est vrai qu'il n'y a pas le debuff Lunacy. C'est juste la seule différence. Ouais, il a Shooting Star à la place.
Ouais, et la setup shoot des attaques pour facilement contrer ce qui est un peu agressif sur le board. Donc, suite de déraison qui est déjà là côté insane. Aïe aïe aïe. Déprimante la main d'X-Blaze. La main d'X-Blaze, elle fait pas rêver effectivement pour le moment. On veut poser ce contact. Bah, et en plus, elle va le gérer très facilement avec. Tu fais juste. Ça va être géré, mais ça empêche une suite de déraison trop tôt. Ça empêche une suite de déraisons qui arriverait trop tôt sur le jeu. Est-ce que c'était vraiment ça l'idée? Je ne sais pas, mais. Tu te dis que sur 3, sur 4, en fait, il va pas non plus piocher tant que ça, en théorie. Et après, il y a aussi le paramètre, tu as réduit tout ton deck de 1, donc du coup, tu n'as pas les sorts à 10. Et du coup, est-ce que sur cette suite de déraisons. Aussitôt ça a du sens. Je sais pas, j'ai du mal à dire. Ouais, sachant qu'il a déjà réduit de 1 son deck, ça veut dire qu'il va pas mal. Enfin, il va piocher genre les Libram, qui sont quand même pas dégueu. C'est un gros potentiel le heal. Et effectivement, on va pas le. Et il décide de faire du coup un play. Il ne pioche pas et il gère. Ok, intéressant. Mais du coup, tu préfères gérer. Bah, après le contact, tu peux difficilement te permettre de le laisser sur un board. Parce qu'il y avait aussi l'option de je pioche avec Intelligence des Arcanes et je fais. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu faire gel derrière. Tu as raison. Il peut faire gel, mais il décide de volontairement pas piocher pour piocher un maximum de cartes sur de déraison. Ouais, je pense qu'il veut optimiser sa suite de déraison. Pourquoi pas. Et du coup, il fait ça et j'ai le mental. Et là, faut prier qu'il n'ait pas forcément. Après, ce de déraison n'est pas forcément toujours insane. Hein. Des fois, vous pouvez récupérer des cartes qui sont complètement useless. Ou des fois, ça peut être que de la pioche. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que là, il l'a fait quand même très tôt. Donc, on peut se dire qu'il va quand même récupérer ce qu'il faut. L'alignement céleste. Je sais pas si si c'est vraiment le moment de le faire. Intelligence en tout cas qui va être fait. On va récupérer par exemple voilà, tour de force qui en général. Bon, je pense pas que ça va lui servir grand chose. Du moins pour le moment. Mais c'est ce genre de carte en tout cas qui peut être complètement useless pour le. Pour insane et ne peut pas forcément gagner la game avec ça. Donc on peut espérer qu'il ait que des cartes comme ça. Counterspell ou Portail ? Counterspell, je pense que ça reste pas mal. Après, il a la pièce. Est-ce que tu dis, vu qu'il y a la pièce, tu prends pas plutôt Portail ? Et après, il y a le foire. La foire aussi, mais la foire est pas mal aussi, ouais. Et il décide de faire ni l'un ni l'autre et de prendre le. Portail. Moi, je l'ai vu. En vrai, le portail, ça me paraît pas déconnant parce qu'il a le freeze et donc du coup, il peut clairement se dire si je me prends pas de dégâts, je vais quand même pas mal piocher. Maintenant, côté X-Blaze, je pense qu'il va peut-être éviter cette situation. On va tourner autour de Counterspell. Ok, donc on sait que c'est ni portail. Et ni Counterspell, forcément. Là, tu tombes forcément sur le. Au vu de son play, tu tombes forcément sur l'autre. Donc, je pense que tu fais au moins la dague et tu tapes dans la tête. Bah, là, de toute façon, je pense que ouais, t'es obligé de taper face ou du moins de mettre des dégâts face. Ça me paraît obligatoire. Parce que tu sais que le potentiel de le faire piocher est clairement pas bon. On met du crick, dag. C'est pas mal, ce tour est pas dégueu. Ouais, il tourne autour de pas mal de fois. Ouais, il est pas dégueu. Et bon, techniquement, il connaît les deux derniers secrets. Hein. Il sait que normalement, c'est allié de l'Oasis et jeu de foire. Il y a plus de secrets là-dessus. Puisqu'il n'y avait pas entité miroir non plus.
Du coup, on a récupéré la métamorphose démoniaque. Carte qu'on ne voit plus trop. Hein. L'image, tu fais. Bah, Flamestrike, hein, là, ça me paraît. Il y avait aussi alignement, il y avait aussi métamorphose alignement céleste. Mais... Ouais. Il y avait deux grids en attendant le tour, mais. Tu pouvais, mais est-ce qu'au final. Faudrait que tu gérais pas tout, quoi. Mais ouais. Genre, dis qu'il est quand même pas mal ici. Oh. En fait, ce qui est dommage, c'est que si tu fais sur le jeteur d'encre, tu récupères pas la pioche. Mais dans tous les cas, tu as pas envie d'attaquer dans cette créature. Ouais, mais après, tu sais que c'est allié de l'Oasis. T'as peut-être pas forcément envie qu'une 3-6 pop. Et tu as pas mal de trous dans ta main. Tu as les deux arnaques. Je pense qu'il va piocher. Après, toi de savoir, est-ce qu'il frappe pas de l'ombre pour la remonter ce jandis. Yep. C'est vrai que le choix est pas évident s'il préfère privilégier la pioche ou plutôt le côté strong. Après, croque la lune se fait trop facilement gérer dans tous les cas avec les 1-1, donc. Il va pas taper, je crois. Hein. Il va pas chercher à taper. Là, il va remonter. Ok. Non, ça me paraît mieux. Effectivement, le. Peut-être trop facile à gérer le croque-la-lune dans ces conditions. Et au moins, il récupère la pioche, potentiellement. C'est ça qu'il peut le one-shot. Enfin, il peut pas ici, mais... Ouh. Flamestrike est récupéré. Ouais, je pense que ça va être Flamestrike. Ouais. Bon, le tour me paraît assez... évident ici, je pense qu'on va partir sur un fusion plus choc de flamme. Après, le truc c'est que peut-être il est obligé de mettre une 1-1 dans la 6-3 au cas où il n'aurait pas mis le... justement... le malus sur la 6-3. Je suis d'accord de commencer d'abord par mettre... Non, ça par contre, je suis pas d'accord. Ça par contre, je suis jamais d'accord. Non, il a visé la 4-5, j'espère que c'était une erreur, mais jamais de la vie en fait. What ? Je vais vous faire un plan d'encre. Alors là. Ouais. Ouais. Alors, à moins. Déjà, je pense que c'est pas bon dans tous les cas, dans le sens où tu fais piocher un voleur, ce qui est jamais bon en soi. Et juste ça en fait. Wouah! Oh, cette Jandis, elle est goldée. Hein. Oh là là! Sur la 4-5. Hein. Sur la d'agonie. Hein. Ouais, clairement. Là, il n'y avait pas. Oh. Ah, j'ai pas du tout aimé le play par contre, côté Ukraine. Qui va voler la métamorphose et qui va pouvoir. Qui va pouvoir aider le voleur à mettre 8 dans la tête. C'est Métamorphose la dernière carte. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, effectivement, Métamorphose qui est effectivement pas mauvais du tout hein, pour mettre 8 points de dégâts. C'est plutôt bon. Et en vrai, on n'est pas si mal que ça pour le moment. Après, il y a toujours les Libram hein, en termes de gros heal côté Insane qui peut clairement ralentir le voleur. Mais la pression est là. Après, est-ce que tu fais... Chaque chose en son temps. Deuxième alignement céleste, d'ailleurs. Allié de l'Oasis également. Est-ce que tu fais pas... Ah non, mais tu peux pas... Ah si, non, mais c'est, j'allais dire, ouais, tu fais choc de flamme, flamme infernale et choc de flamme. Et comme ça... Ça paraît plus évident. Bah en fait, c'est ce qui te permet, parce que t'es quasiment sûr que techniquement c'est la 4-5 qu'ils ont mis en malus. Mais ok, non, ils veulent garder le choc de flamme, et on s'en fiche. Oh, ouh, c'est 4-3. Il est incroyable. Oh, X-Blaze est beaucoup trop fort.
J'aime bien faire scorpion métamorphose et mettre mon coup dans la gueule. Comment ça stoppe sa métamorphose? Ouais, parce que mine de rien, elle coûte hein, cette métamorphose. Elle coûte un peu. Après, tu peux potentiellement chercher à la réduire aussi. Hein. Est-ce que t'as pas envie de la réduire avec Octobot? Potentiellement. Gel mental, Hog Marchand. Et la Hog Marchand. Ah voilà. Parce que c'est vrai que la métamorphose, 5 de mana, ça fait mal quand même hein, de dépenser 5 de mana. Donc tu fais deuxième arnaque. Deuxième arnaque qui est envisagée. Effectivement, ça permettra de bien réduire. Et. Du coup, on a le Tenwu réduit et le dragon. Ah, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Et en plus, il a les deux attaques. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, le tour ultra violent. Mon dieu. Attends, mais il a combien? Mais il a l'étal en fait. Il a clairement l'étal au prochain tour. Et X-Blaze qui va s'imposer. Je crois que. Même avec ça, je crois qu'il a l'étal. Hein. On est d'accord, il a 16 plus 12, 28. Ouais, donc il a tout pile l'étal. Et c'est le toupie de l'étalous. Ah. Oh là là. Et oui. Quelle bonne lecture du jeu. Bien vu. Bien vu, bien vu. Et du coup... Les deux frappent derrière. Enfin, ça s'est bien mis quand même hein, pour X-Blaze par la suite. Et ça passe. Et premier point mis par X-Blaze. Donc si X-Blaze gagne du coup bah le prochain, c'est déjà terminé. Et la France gagnera ce quart de finale pour arriver en demi. Oh là là. En tout cas, j'ai l'impression que les quarts de finale sont assez violents. Il y a eu à chaque fois 2-0. Genre vraiment no contest. Dans les ombres. Et du coup, bon, miroir de voleur, bon bah voilà, ça va être... Ça va être sport, hein. Ça va être très sport. Ça dépend de la pièce et de l'Octobot. Ouais, j'ai envie de dire que c'est bizarre. Bon, en fait, on a vu ça sur... c'était quand c'était... c'était mardi, là, avec la Suède. Et ils ont... Il y avait, pareil, un miroir de voleur. Tour 2, le voleur avait 5 créas sur le board. C'était juste du gros n'importe quoi. Mais bon, le mec, il avait vraiment la bonne sortie parfaite. Et en plus, c'était un setup qui arrive vraiment très rarement en voleur. Mais ça s'est juste bien mis. Et c'est vrai que j'ai tendance à croire qu'effectivement, c'est probablement l'early Octobot qui peut potentiellement faire la diff. Après la pièce aussi, j'ai tendance à croire que ça donne quand même un sacré avantage. Il faudrait plus d'avoir l'Octobot et en plus de ça, tu as la pièce de... C'est ça. De... qui est juste incroyable en fait. Ouais, j'ai l'impression que côté Insane, on a plus de chance hein, pour... côté sortie. Après, j'avoue que le voleur, moi je le... Enfin, ce voleur-là, même le voleur tout court en vrai, je ne le joue pas spécialement. Donc j'avoue que les miroirs, je sais pas trop ce que ça donne en temps normal. J'adore en ce moment, je suis tombé amoureux. C'est vrai. Ah oui, il est loin d'être mauvais en tout cas. Il a beaucoup de possibilités surtout. Il y a énormément de possibilités. Mais c'est vrai qu'en miroir par contre, ça doit pas être évident forcément à jouer. On récupère Pieuvre Robot. Bon, je pense qu'on peut la poser à très peu de manières de le one-shot normalement. Je pense, côté ouais. Voleur. Et tu proc l'Octobot ici, en face. Ouais. Non, pas. Ici, de pas le proc, il te donnait une carte supplémentaire. Réduite. J'avoue que je suis un peu curieux de ça, effectivement. Après, il force le trade. Il force le trade, ouais. J'avoue que c'est un peu étrange pourquoi il n'a pas tapé.
Je sais que instinctivement j'ai commencé à le proc. Oui, pareil. Parce que dans tous les cas, t'auras jamais moyen de le one shot. Donc ouais. Après, peut-être qu'il a clic trop vite. Hein. Ça arrive des fois de. Ouais, de clic trop vite. C'est quand même bizarre. Hein. Bizarre. Je pense que justement, il réfléchit quand même pas mal et je sais oui, que c'est... même si les tours peuvent paraître rapides pour nous, je veux dire, en final, il réfléchit pas mal. Il a peut-être un. Oui, en général, c'est loin d'être des mecs qui ne réfléchissent pas clairement et. Mais après, des fois, bon, des oublis, ça peut arriver, hein, même à haut niveau. Est-ce qu'on rusé qui vient d'être top DK ici? On a réduit le Tenwu. C'est pas passé à chaque crise. Pardon, le Lextraza, excusez-moi. Ouais. Pas évident. Est-ce que tu fais un passage secret? T'as envie d'avoir autre chose? Kazakus. C'est vrai que chercher Kazakus, c'était plutôt, je pense, l'idée. À moins qu'il ait posé Octobot. La Vanessa, elle est incroyable. Ah, par contre, la Vanessa est très très bien, effectivement. Après, est-ce que c'est pas trop lent? Après, est-ce que tu fais Vanessa Tenwu? Non, on va juste poser Kazakus. En vrai, je suis pas. Ça me choque pas parce que poser Vanessa, même si tu récupères le Kazakus, c'est très très long. J'aurais fait Vanessa et Octobot, mais. Mais en fait, je trouve ça un peu lent parce que tour prochain, il peut potentiellement déjà poser les golems en fait. Et si t'as pas de réponse à ça, ben t'es juste mort en fait. Ok. Après, il avait le. Parce que sachant qu'il a la pièce côté. Bah oui, il pouvait faire déjà pièce golem. Alors j'ai pas vu les golems qu'il a pris côté. Camouflage et invoque une copie, donc ouais, c'est strong. Il n'y a pas de réponse, finalement. En tout cas, il n'y a pas de réponse en couleur, par exemple, pour Vanessa. Donc. Je veux dire, ouais. Vanessa et Octobot n'étaient pas non plus une solution si aberrante. Non, mais. Mais disons que ça te donnait pas forcément de quoi. De quoi gérer sur une grosse pression. Et là, c'est 2-5-5. Ça va être douloureux. On va poser comme grand golem. Là, j'ai un peu peur quand même hein, pour X-Blaze ici. J'ai un peu peur. Contact sur le terrain, en tout cas, qui va être posé, j'imagine, le Tenwu. Oh, c'était obvious, hein. C'est des plays assez forts, quand même, en voleur, hein, de pouvoir remonter les golems. Par contre, mais d'abord... Non, allez, pas d'abord. Allez, pas de l'ombre, le Tenwu. Mon dieu. Ouais, c'est bah ouais, tu peux rien faire. Hein. Tu mets pas la musique de Ben Hill en fond, là, je pense. Là, tu peux juste rien faire. Quoi. C'est... Face à ça, c'est. La seule chose que tu peux gagner, c'est du temps. En concédant. C'est ça, non mais. Ça, c'est le genre. Bon, c'est le genre de sortie. Bon, encore une fois, hein, t'es face à ça, t'es. C'est mort. Tout simplement. Et effectivement, X-Blaze qui va pas rester plus longtemps, il le sait, que évidemment, c'est compliqué. Ouais, c'était obvious quand même, hein, effectivement. Au vu de la sortie, on a vu, de toute façon, rien qu'au niveau du départ, on avait clairement une meilleure sortie. Mais je pense que l'early game en voleur, ça fait quand même pas mal la différence. Surtout si t'arrives déjà à réduire ta main et tout ça. Restez dans les ombres, vous l'avez cherché. Bon, par contre, en mage. Pou. Alors, par contre, j'ai pas mis les scores battus. On met le flux déjà.
Il y avait... C'est talentueux. Merde, pardon. C'était ça. Ouais. Maintenant, tu le vires, du coup. Un partout. Maintenant, tu le vires au mage ou de source fraîche à main de départ quand, même quand tu afflues. Bah, depuis qu'il est passé à 5, oui, j'imagine, peut-être. Je pense que s'il avait été toujours à 4, il l'aurait gardé. Alors, est-ce que c'est moi ou ça a bug ou pas? Non. En tout cas, il appelle Mulligan, mais côté insane, ça réfléchit peut-être, mais... Ah, d'accord, ok. Non, mais comme d'hab, je sais que des fois, ça a tendance à bug. Je vois la main de... En tout cas, je vois... Ok, non, c'est bon. Non, mais maintenant, je me méfie hein, avec Hearthstone. C'est juste que ça réfléchit ses côtés... Ouh, par contre, là... Insane. Les 2-7 déjà en early game, c'est pas foufou, quand même. Allez, ça va être flux. Ça va être le flux. Pas d'Octobot, cela dit, côté... Côté insane. Petite pièce en flux. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver Ultra. Intelligence, pas mal. Ouh, la déflagre. Ça, c'est un bon T4. Il y a un bon moyen de gérer le clic en général. Ouais, clairement. Clairement. J'imagine que ça peut être posé log marchand. Ça log marchand forcément le. Ouais, clairement. Clairement. On a quand même une bonne curve. Hein. Côté insane, on a également le Kazakus. On est clairement pas mauvais. On peut dire qu'il a une main insane, du coup. Effectivement, on peut le dire. Désolé. Non, mais tu as le droit. Il nous faut quand même un comic de stream, quand même. Mais ouais, effectivement, c'était peut-être pas si fou que ça de faire tout de suite cette déflagration. Parce que le board commençait, mine de rien, à être gênant. T'es forcément Kazakus, hein. Ouais, bah oui. Kazakus, golem, tu prends le golem à 5, tu curves l'agent 10 derrière. Ouais, je vois pas ce que tu peux faire d'autre ici, de toute façon. Je pense pas que contact, ouais, non. Contact au marchand, ça me paraît pas si fou. Tu peux, mais c'est moins fort que de poser deux golems au tour 5. Ouais, c'est ça. Après, il tourne sur le fait que si prochain tour il y a des flags, du coup ils perdent potentiellement l'agressivité. Mais bon, en mettant du coup les 5-5 derrière, ils devraient reprendre l'ascendant. Donc, je pense que ce sera pas forcément. C'est ça. Ils ont pas eu l'invoque, donc c'est bien pour nous. Donne plus de autres serviteurs, ok. Et c'est plutôt pas mal. Déflagration gel mental. Et ça, du coup, c'est pas mal parce que le fait de gérer cette 3-1 également, ça permettra de pas forcément à ce qu'il y ait golem au prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'on préfère ici? Je pense que c'est soit Phoenix, soit Intendant. Ouais, Phoenix plutôt. Et Gwyn, un poil cher pour ce match-up, je pense. Ah, c'est peut-être un meilleur petit et plus de spellcrower que l'intendant, mais. Mais la value du spell est quand même très intéressante. Ouais, clairement. Après, l'avantage de l'intendant, ça te permet aussi de chercher, par contre. Ouais, ça éclate. C'est un peu tôt pour que ça proc, malheureusement. Donnez-moi ça. Regardez ce que j'ai fait. Ah là là là. Combustion. On va commencer par Orbe Runique. Fluide l'incantateur. Trat. L'incantateur est con.
compliqué à mettre en masse, en place, pardon. On peut... Ouais. Ouais, il se dit que si top deck haute source, ça peut être pas mal de faire le flux derrière. Enfin, le flux avant et haute source après. Du coup, si jamais... Ouais, après, si mes golems... Alors, attends. Il y a la masseur. Je me demande. Peut-être ça peut envisager un masseur à vide. Et du coup, derrière mes golems... On se ferait pas trop... Ou juste golem, a priori. Je fais pas tant que ça de finir sur Flame Strike. Ouais, c'est ça, parce que dans la mesure où tu gardes forcément une créa et en plus tu actives ta vendeuse, c'est pas mal. Il le met sous la barre des. Il le met sous la barre des 12 PV en disant si tu atteins le. Si on atteint le tour 10, t'es mort parce que je te mets double, le double sera. Le double castable. Non, on est plutôt pas mal. Hein. C'est vrai qu'une dévolve aurait été la bienvenue. Ça c'est pas mal du tout. Oh là là. Quel talent. C'est pas combien, incroyable. C'est ça qu'on veut. C'est vrai qu'une dévolve aurait été pas mal aussi en early, mais malheureusement, on n'a pas eu. Et on est déjà à 12 points de PV, hein, ce qui est pas fou. Bah, il a porté du sort évolué. Ouais, le coup de poignard. Le coup de poignard évolué. Ouais, c'est terrible. Ça peut aller très vite. D'autant plus qu'on a on a récupéré un orbe runique. Donc on peut encore chercher un spell damage. Enfin, du dommage. J'imagine que t'as... Tu commences par faire le sort à 2. Enfin, moi j'aurais juste fait genre 10 perso. Je pense que j'aurais fait le sort à 2 parce que potentiellement il avait un autre poignard, il pouvait se taper dans le tour. En fait, le problème c'est que tu sais que Phoenix va pop au prochain tour. Donc s'il y a masque de Cthulhu, du coup tu te fais un peu punir quand même. Là où au moins, là on va faire flux et on va piocher la max. Allez, faut que ça snowball là. Ok, du coup. On récupère. J'aurais pensé qu'il allait prendre le cône. Sauf qu'il n'y avait pas forcément besoin. Le masque de nouveau. Malheureusement, on peut pas. Pas l'activer et en même temps le jouer. J'imagine que tu vas ping, dévolve et j'ai un mental pour finir. Peut-être qu'il fera quand même le lancer d'anneau sans la corruption. Ah non, il peut pas, pardon. Excusez-moi, je pensais qu'il avait la mana, mais non. Et alors la main est très très lourde hein, quand même hein, de enfin côté exverse, on a beaucoup de dégâts. Force mortelle, ça s'est appelé l'état sur le tour. Ouais. Après tout dépendra des sorts. Est-ce qu'il y a moyen de le contrer avec un sort? Pour le moment oui hein. S'il y a counter spell, pour le moment il peut survivre. Tant que c'est plus 1, ça va pour X-Blaze. Ah, le double lancer d'anneau. J'imagine que ça aurait été l'armure et le counter spell. Parfait. C'est pile poil ce qu'il lui fallait. Et là, pour le moment, le counter spell... Il peut rien faire, hein. Oh là là, est-ce qu'on a droit au comeback? Je me demande. En vrai, c'est terrible parce que tu peux pas, je pense, faire ce coup de poignard.
en te disant on va nullifier le counterspell parce que je pense que t'en as besoin en fait. Après, sur un top deck à Extraza, t'as l'étal aussi. Extraza, c'est nous. Je pense que tu le tentes, tu fais le coup de poignard et si ça counterspell, tu tapes pas. Et tu poses ouais. Octobone. C'est vrai que t'as l'étal et Nivoy sur Extraza, mais sachant qu'il reste 12 cartes, ils ont quand même la possibilité de ne pas le plus. Ouh, il tape. Est-ce que c'était vraiment le play ça? Genre en fait ouais, tu te. Je comprends pas pourquoi parce que tu t'es porté de cartes. Pote mot à blanc. Je suis pas d'accord avec ça en fait. En fait tu t'écartes de l'étal tout simplement, je comprends pas. Ça me paraît un peu étrange quand même ce play, mais ok. Et en vrai... Et derrière, lancer d'anneau. Entité miroir. Entité miroir peut s'envisager effectivement. Ah, ils ont pas eu l'armure. Dommage. En vrai, c'était peu probable quand même qu'il le chope pas. Mais bien sûr, pour Counterspell ! Non ! Il a perdu ! Et c'est terrible, ouais. Malheureusement, ça suffira. Ça suffira. Ok, aussi, ils avaient quand même bien compté, my bad. Effectivement, ils avaient juste à piocher un sort et ils avaient l'état anyway. Ah, il aura fait du mieux qu'il pouvait, hein. Ok. Ouais, en vrai, j'ai mal compté, hein. J'avais pas fait gaffe qu'effectivement ils avaient setup à 12, donc. Donc ça oui, va, ils avaient. Non, mais c'est pas une question qu'ils avaient l'air de faire à 12, c'est juste que. Je sais pas, ils avaient. Pour moi, un moyen, c'est plus safe de gagner en fait. Mais... Bah, dans et la mesure où ils avaient juste à top decker un spell, mais c'est vrai que c'était soit un spell, soit l'Extraza, donc ça a quand même de fortes chances. Je pense qu'en soi, c'était loin d'être mauvais, clairement. Après, peut-être que d'autres auraient fait différemment, ça c'est bien possible. Donc du coup, c'est-à-dire égalisation ici pour l'Ukraine. Ah là là, l'étau se resserre. Donc attention, attention, il va pas falloir faire n'importe quoi pour ce dernier. Il va falloir faire très attention. Même en vrai, il n'y a pas eu vraiment de misplay en... Clairement, mais moi bon, il y a eu des meilleures sorties d'un côté que de l'autre, malheureusement. Et chose qui arrive. Bah, si tu veux bien, on va voir les dernières line-up du coup. Les dernières line-up qui restent pour cette soirée. Donc ce sera Silvor. Hop. Donc ça sera Silvor. Et Silvor qui joue mage, prêtre et warrior. Un mage, ma foi, avec bah, le Lunacy également. Le warrior avec le Katoon. Et le prêtre, pareil, assez classique. Donc avec Izera, les géants. Donc, la version de Mythique Mythia est publiée avec les géants et Enko. Ouais, c'est vrai que. On le voyait pas forcément au tout début, mais par la suite, c'est vrai que ça a été setup, et mine de rien, bah, ça fait son affaire. Hein. C'est géant, mine de rien, il arrive clairement à mettre une pression. Alors, du coup, ouais, je te laisse tranquillement, si tu veux commenter tout ça. Moi, je vais juste envoyer... préparer les joueurs. Alors... ben pas grand chose à dire sur cette line-up là. Hein. Mm. Je veux dire c'est la même line-up donc aucun changement. Toujours la présence de Izera Setoun en guerrier pour achever l'adversaire avec ce fameux Magteridon. À voir ce que ça va donner contre Felkane. Mmh. Ensuite, prêtre donc avec la version avec les géants et Izera, ça a tendance à mettre un peu plus de pression du coup ces fameux géants.
Je l'ai testé dernièrement et je sais que je commence à bien aimer les géants dans Prêtre, en tout cas, notamment avec... Moi j'ai l'impression qu'ils sont très très bons. Hein. Avec la plague qui permet de le setup très très vite. Parce que du coup avec la plaque dévorante, ça permet de setup les géants extrêmement vite parce que ben, du coup tu les réduis de 4 pour 3 points de mana et tu peux avoir très très vite des géants qui coûtent 0. Et enfin, bah, mage, que dire de plus, hein, c'est du mage. Oui, en général, en mage, on a très peu de variété. Hein. Autant, fut un temps, on avait quand même des variantes. On avait le mage ping qui, des fois, et je crois que Warmal avait même joué pour le monde master. Je sais que personnellement, je l'adore le mage ping. Le mage ping, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très plaisant à jouer. Mais faut bien l'avouer qu'il reste quand même, je pense, un poil plus faible hein, par rapport à... Là, en fait, qu'il y a le match ping par rapport au match classique, c'est que, en tout cas, avec ma liste, c'est que ça va prêtre. Ça va prêtre de manière très facile. C'est vrai. Ça assure de battre... Enfin, assure. C'est peut-être plus grande chance de battre, effectivement, ce prêtre. Après oui, t'es clairement plus faible contre la plupart des autres decks, mais je sais que contre prêtre, en tout cas, c'est pas mal parce que tu peux générer. Je sais que en tout cas avec les scorpides, je sais que je joue pas que le sort qui améliore le report dans le deck. J'aime bien jouer aussi le petit sort à deux, et que tu découvres des sorts et du coup là tu as vraiment des chances d'améliorer franchement ton hero power de manière constante, en tout cas à 4, et une fois qu'il le hero power il passe à 4, là la game elle est pour toi, elle est 100% même. En fait, dès que ton hero power passe à 4 de puissance, c'est juste trop fort. Yep. Et derrière à côté, tu setup ça avec que des bonnes cartes dedans, avec des ogres. Je sais que j'aime bien jouer aussi, je sais que je joue aussi double limon dans ma version, parce que c'est très très faible contre Rogue Arm et contre les paladins, et je sais que le limon c'est très très fort contre Rogue Arm et paladins. Effectivement. Voilà, mais bon, bref, on parle de toute autre chose. Alors, Falken me dit que tu as trop de contacts. Est-ce que tu l'as ajouté et vérifié que... Je l'ai ajouté, j'ai 195, Annie. C'est bizarre, mais je vais virer quelqu'un. Vire-le. Pas bien. Et ben... Je suis désolé, monsieur Lechnerbill. Je ne sais pas qui t'es. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Ok. Et Sylvar, ça doit être pareil. Tu... C'est bon. A priori, c'est bon. Non plus, je l'ai pas, donc... Tu l'as pas? Attends, je vais lui dire. Attends, j'ai envoyé. Je lui ai envoyé aussi une demande. Mais... C'est bizarre, quand même. Ça marque que j'ai 195. Ouais, non, mais tu sais... Les joies de Hearthstone et de Blizzard. C'est pas toujours... ça marche pas toujours comme on veut. Tu me dis quand pour toi c'est bon, on a les joueurs qui devraient être prêts. Tac. C'est bon pour toi? Bah, c'est des temps que j'ai pas Sylvain, mais c'est bon. J'ai fait le kill au moins, je peux regarder le match. Ça marche. Bah, normalement, je lui ai dit de t'ajouter. Attends, par contre, j'avoue que j'ai pas donné. Attends. On va. Tac. On va juste refaire, il n'y a pas de souci. J'ai eu 159 requêtes d'amis de Silvers, donc je pense que je vais... Ah, la fameuse... Putain, mais ça, ils ont toujours pas corrigé, alors que ça fait quand même un moment que ce bug subsiste quand même. Hein, ce fameux bug de la joue. Je trouve incroyable ce bug. C'est incroyable. 159 requêtes d'amis, wouhou! Ah non, mais en plus, le pire c'est que ça te fait planter ton truc, c'est terrible. Bref. Ok. Bon, je vais leur dire qu'ils peuvent commencer.
Les Falcon. Ok, parfait. Et on va pouvoir tout simplement se mettre. Effectivement, vous pouvez faire !! Lineups avec un S pour voir les lineups des joueurs si vous le souhaitez. Hop. Parfait. On va enlever la photo d'X-Blaze. On l'aime beaucoup. Mais maintenant, c'est le tour de Felkane. Évidemment. Donc, un partout. Tac tac tac, parfait. Alors on va voir avec quoi ils ont ouvert. Nous avons et c'est mort, c'est parfait. Donc nous avons prêtre contre mage. La lumière nous apportera la victoire. Prêtre contre mage. Hop hop, on va enlever les decks battus, parfait. Où est le double flux déjà côté Sylvor? Aïe aïe aïe. Ça commence bien les amis. Enfin, ça dépend pour qui on va dire. Mais ça risque de moins faire plaisir. Après du coup, faudra voir parce que souvent aussi des fois c'est peut-être plus chiant d'avoir la suite de des raisons activées. Parce que clairement, si là il fait ses deux flux, jamais de la vie il fera la suite de des raisons. Parce que c'est pas très fort de faire un double flux et suite derrière. Parce que vous récupérez pas des trucs bien fous. Donc. Il a aucun burst dans sa main, c'est-à-dire que tout son burst va être réduit et du coup, ben, on va pouvoir. Ouais, c'est pour ça que du coup, bon, bah là il faut capitaliser sur le fait qu'il va récupérer très vite ses bursts et mettre un max de dégâts. Là j'avoue qu'en prêtre, je sais pas, qu'est-ce que t'as le plus peur? Est-ce que t'as plus peur d'une suite de déraisons ou t'as plus peur d'un double flux? J'avoue que je sais pas trop. Ça dépend. Si la suite de déraisons. Et s'il y a eu absolument aucun flux et que la suite de déraison est à. Et du coup ça donne des sorts à 10, et que tu as ton maximum de sorts à 7, et que du coup ben, ça te donne des sorts à 10 et que t'as tes fameux sabots de. Sabots de Nagrand, ben au final ben, tu mets du coup masse pression et ça peut être pression. Mais si du coup. Je sais pas, je pense qu'en vrai c'est mieux flux quand même. Je pense que double flux est plus. Je pense que double flux pour toi c'est plus opti quoi. Ouais. Okay. Jamais. N'hésitez pas à dire dans le chat évidemment qu'est-ce qui vous fait le plus peur. Hein. on veut savoir. Mais ouais, moi je sais pas. J'ai tendance à croire qu'avec suite de déraison tu peux quand même plus bullshitter, notamment avec genre les taureaux quoi, le fameux spell du chasseur qui peut être assez insane. Mais on va voir si du coup. Du coup, ce sera compliqué ou pas pour Felkane. On a Chiromancie qui est peut-être envisagé. Après, on réduit pas spécialement beaucoup la main. Question de la psyché, j'aime bien. Ça permet de. Ouais, Chiromancie, on n'a pas trop envie parce que là, on réduit rien, concrètement. sauf le spell qu'on récupère. Il n'y a aucun sort dans sa main. Ouais, c'est ça. Pas enfin, où les seuls sorts sont à zéro déjà, donc aucun intérêt ici pour lui. Et du coup, s'il fait l'inquisiteur, maintenant, ça va réduire le sort à deux qui fait piocher là. Oui. J'ai plus le nom en tête. À chaque fois, j'oublie dès que je cherche la carte. Mais oui, ça réduit à 0 tout simplement. Après, c'est tout ce qu'il a en corruption. Donc, après, il peut se dire de le garder si jamais il récupère le spell T4, qui peut être aussi une corruption. Mais je pense que tu peux le. Mais bon, sur une carte T5, ça reste très bien aussi. Hein, on est d'accord.
On est d'accord, surtout qu'il n'a pas grand chose à faire derrière. Ok. Pour le moment, côté Silver, certes on a réduit. Oui, donc du coup c'était la perspicacité, voilà. Certes on a réduit, mais ben, on n'a pas la pioche qui va avec. Ce qui est tant mieux. Parce que sinon, ça peut aller très très vite. Pour l'instant, la main de Feldkane, c'est pas foufou, j'ai l'impression. Et on a récupéré du coup Boule de Feu qui a 2 de mana. On récupère. Est-ce qu'il va reprendre Flux? Oh le Flux! Bah en vrai. Après, Congélation peut être envisagée, c'est pas si dégueu en termes de spell. Oui! C'est pas si mauvais, mais il coûte 8. Ouais, c'est ça, il coûte très cher, on est d'accord. Et alors qu'il y a Flux à côté, que tu es encore, il te reste encore 6-9 cartes dans le coup. 3 Flux, quoi. Incroyable. Attends, depuis le début, il a réduit au moins, je pense, que plus de 40 mana, de au moins de 60 mana, je pense, de son deck, non ? En réalité. Si on commence à faire des stats comme ça, possible. Il y a des conneries comme ça, hein, je pense. Hein. Il a réduit de. Bah là, si mana. On a 19 cartes. 19 cartes moins 3 de mana. Bon, après, sachant qu'il y a des cartes à 1, du coup, ça compte pas non plus. Donc. On pourrait faire une moyenne s'il y en a qui veulent se torturer la tête dans le chat. De faire une moyenne de combien de mana ça réduit en faisant 3 flux. Mais ouais, ça fait beaucoup. Je sais qu'il y a des matheux dans le chat. On vous voit. On le sait. Et donc du coup, effectivement, esprit de bon augure. Mais qui ne sera pas conjuré. Ok, Chiromancier qui pour le coup est déjà plus intéressant ici. Mot de pouvoir peut être intéressant, mais je pense qu'on va préférer le don de luminance. Sur la Tiswall, c'est pas mal du tout. Encore un orbe runique. Et un tel. Aïe aïe aïe, ça par contre c'est pas ce qu'on voulait voir. Un tel. Pour l'instant il a toujours pas pioché d'autres sources fraîches. Tant mieux pour nous. Parce que là on rappelle que du coup son autre source est à 2 de mana. Du coup. Elle sort à 2 de mana, pioche de cartes. C'est terrible. C'est terrible. Tu pioches gratuitement. Oh, merde. Mais en vrai, tant qu'il touche pas ses autres sources, pour l'instant, c'est ok. Hein, mais je pense qu'au moment où il va les toucher, ça va faire mal. Et des flags qui ont envoyé. Oh là là. Oh, en plus mieux. Oh là 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 là, terrible. C'est douloureux. C'est douloureux ici. Ça n'a aucun sens. Non, ça fait mal quand même là. Le counter spell. J'ai connu des séances de torture qui étaient plus agréables que ça. non, là, j'avoue, c'est moyennement fun. Et du coup, je pense à être perspicacité ici. Non, ok, esprit de bon augure. 7-4-8, mine de rien. C'est pas mal. Surtout sur. Et. Là, ça va tellement dérouler. Il est mort. Ouais, je pensais à l'état. Ouais, bon, en même temps, hein. C'était obvious au vu de ce qu'il a fait. Oh là. Merde. Mais cette triche de mana. Terrible. C'est terrible. Les premiers points mis pour Feldkane. Ouais. Ah, quand même. Ah ouais, bon j'ai rien dit, je pense qu'à mon avis c'est plus terrible à mon avis de faire le double flux. Clairement.
clairement. Et ce qui veut dire que du coup, il nous reste plus que le voleur. Côté Falcane. Le temps des rêves est révolu. La chance, ça se provoque. Rick. Petit Octobot là. Allez. Viens. Oh. Ouais, pas d'Octobot malheureusement ici, et pas la pièce non plus, mais au moins, il n'y a pas de flux côté Silvor. Et ça, c'est bien. Ok. Ici, on va prendre le Phoenix. Qui va pouvoir être... Ah, il n'y a pas cette pièce Phoenix, ok. C'est l'escroc rusé. Ok. Ok, scroll rusé ici, histoire de mettre, j'imagine, une pression. C'est vrai que la main est pas fou, du coup on va juste se décider à curve, j'imagine, et maximiser les dégâts. Au vu de la main qu'on a. S'il vous plaît. Là ça va être c'est parti, hein, ici. Ah bah là, les tours 3 et tour 4 sont décidés, clairement. On vient de récupérer du coup l'étude primordiale, on envisage a priori un missile d'Evo ou combustion. On préférera un missile d'Evo. J'aime bien le missile d'Evo, je pense. Au début de votre tour, invoque un serviteur. Ah, par contre, ça c'est terrible. Oh, c'est terrible. T'as clairement pas envie de voir ça en fait. Parce que du coup ça l'invoque. Donc ça veut dire que s'il fait proc la vendeuse de baguettes, Ça me met un peu dit sur le bord, je veux dire. Là, c'est pas la vendeuse, pardon, c'est comment elle s'appelle de nouveau. Chaque fois je confonds. Il y a la vendeuse de baguettes, il y a le. Vendée. La voleuse, voilà, de baguettes. Vas-y, vendeuse, ouais, mais c'est la voleuse. Peut-être une 1-2, je veux dire, c'est. Ok, tu perds un petit peu de beurre potentiellement, mais. Tu poses une 1-2 gratuitement et tu la pioches, quoi, donc. Bah, au final, c'était quand même pas si mauvais que ça, au final, de là. Parce que c'est de la pioche gratuite. Ouais, c'est de la pioche gratuite, mais bon, c'est surtout la value de la T1 que t'as envie, je sais pas. En tout cas, on aura quand même préféré la gérer côté Silvor. Et du coup, missile d'Evo, de nouveau. Ouais, je pense pas qu'on va l'envoyer. Ouais, il va attendre. Ouais, c'était sûr. Même sur une devolve, ça reste ok. On va espérer ne pas se faire une devolve trop méchante. Je pense pas que. J'imagine ça va faire devolve déflagration. Bon, déjà, on va faire les deux autres sources. Oh là là, cette autre source, c'est terrible. Hein. Ça me donne envie de vomir. Et des vols. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Oh, et en plus, la ruée juste pour gérer. On va activer simplement l'arnaque. A priori, j'imagine derrière, on va faire la voleuse. À chaque fois, je dis vendeuse, mais c'est voleuse. Ouais, j'allais dire un tel hein, pour accélérer. Orbe est pas mal. Et on va simplement mettre ça. Pour le coup, on peut pas faire grand chose ici côté Silvor. Tant mieux pour nous. Ça va partir, j'imagine, sur une déflag. Il
une image. Encore une fois, le voleur ne peut pas gérer les... Yep. Et du coup, mini-mage qui sera posé. On va piocher deux cartes encore. Oh là là. Mais ce double flux. Mazette. C'est terrible. Yep, orbe runique, du coup, j'imagine. Tu les mets dans la tête, hein. Pour ça va probablement les têtes, ouais. Par contre, faut se décider. Il va y avoir beaucoup de choses à faire. Parce que si, l'orbe runique, s'il chope Shooting Star, c'est incroyable. Ok, et on va ping. Il en fait que une du coup d'orbe runique. Okay. Peut-être qu'il veut la garder pour une circonstance, peut-être, où il devrait peut-être potentiellement gérer. Néophyte arnaque, peut-être. On rappelle, Falcane perd ce versus. J'aime bien parce que tu as de grandes chances de choper Shadow Step. Ouais. Et du coup, c'est ce que perd ce versus, malheureusement, sera terminé pour la France. Donc, il va falloir faire des belles choses. En tout cas, double néophyte. Ah ok, il la remonte pas, ok, il veut juste en mettre un seul. Pour effectivement... Ah peut-être, j'imagine, double contact au prochain tour. Histoire de vraiment accélérer. Ça peut être une idée. Ok, du coup, lancer d'anneau ici. J'imagine qu'on va faire là des flags, ça permettra d'activer le lancer d'anneau. Très bien. Et là, je pense qu'il va falloir aller vite. Je pense qu'on en mettra qu'un seul, hein, à mon avis. Ouais. On en mettra qu'un seul. Ce pas de long qui va pouvoir clairement ici. On est pas mal en vrai. Hein. C'est plutôt pas mal tout ça. Mine de rien, les dégâts vont pouvoir être mis. On va pouvoir clairement empêcher le mage de gérer. Ah, oh, c'est pas mal. Il l'a fait combien de fois? J'ai pas vu. Trois fois. Ok. C'est une amélioration. Il a fait les deux naturels plus. Hein. Ah, donc il peut quand même faire Flame Strike. Ah non, il peut pas, pardon. Ok. Ok, oui, non, il a fait plus de fois. Ouais. Donc du coup, pas mal ici. Ah, on peut pas faire grand chose côté Silver, et tant mieux. Ah oui, non, parce que son Flame Strike n'était pas réduit, c'est vrai. Du coup, lancer d'anneau. Ah, c'est bien, il n'y a rien de bien fou. Ça qu'on veut. Ouais, j'ai envie de dire un portail potentiellement. A priori, peut. Enfin, allié, je pense pas. Un petit miroir. Sur l'Alexstrasza, effectivement, ça peut être. La barrière. Et malheureusement, la barrière ici. Et non, pas une autre barrière. Aïe aïe aïe. Ouais, sachant que là, il peut plus faire un tour de nouveau de masse néophyte. Là, il est obligé. Je me demande s'il est pas obligé d'orbe runique sa propre créa. Enfin, je sais pas. J'avoue que je saurais pas quoi faire ici. Non, ok, orbe runique face. Potion. Ouh. Le problème c'est que t'as pas une main, il va falloir, ouais. T'as une main quand même bien lourde donc tu peux pas faire potion, escroc rusé, Vanessa, Tenwu. Une deuxième stab et il envoie les dégâts. Yep. Est-ce qu'il y a un potentiel létal sur Alexstrasza? Oui.
Oh le 1-9. Et là il fait pas qu'il meurt. Mais est-ce qu'il y a l'étal? Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il puisse l'étal ici. C'est bien. Non, c'est bon. Non, je crois que pas. Sur deuxième boule de feu, je me demandais s'il a... il avait l'étal sur deuxième boule de feu. Mais... parce que sa boule de feu était à 2, du coup. Il avait 14. 14. 14 plus 3, ça fait 17, plus ping, ça fait 18. Je me demande. Attends. Les boules de feu, ça fait. Ça, ah oui, pardon, oui, j'avais oublié. Excuse-moi, j'avais complètement zappé le. Le dégât des sorts. Attends, mais du coup, double boule de feu, ça aurait fait 14. Et ensuite, les 4 points, t'aurais trouvé où? Et. Ben, le mini-mage, c'est 3 points de dégâts. T'as pas les têtes? Ah non, mais c'est plus 1. Donc il y avait juste 14 sur le 2 boules de feu. 14 de boules de feu, plus 3, parce que le mini-mage va dans la tête. Ah oui, pardon, oui, excuse-moi, oui. Effectivement. Non mais en fait, je vois tellement pas attaquer que du coup j'oublie qu'il peut attaquer effectivement ce con. Mais oui, effectivement tu as raison. Et là, ce sera létal. Ouh, on a eu peur côté Felkane. Mais le létal sera bel et bien là. On s'est fait... What? Ah non, c'est bon. Non, je suis con, il a quand même l'étal, anyway. Oh là 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 là. Oui, bah oui. Il a quand même l'étal, évidemment. C'est un petit peu de BM. Ouais, non, c'était le BM. Non, mais... Même moi, je me suis dit... Non, mais attends. Non, mais bien évidemment, tout était calculé. Mais bien évidemment, on égalise ici, tant mieux. On s'est fait peur. C'était... C'était quand même pas évident, hein, ici. Ça aurait pu bien mal se passer. Heureusement que Silvor n'avait pas derrière beaucoup pioché. Parce que mine de rien, il avait réduit assez bien. Et au final, il n'avait pas trop pioché en early. Ce qui a permis derrière un peu à Felkane à monter un peu. Et ce qui nous fait que nous avons du... voleur contre guerrier, pardon. Et c'est un guerrier rué. Alors je sais pas ce que vaut ce match-up en termes de win rate. On va checker ça vite fait. Non, c'est pas du guerrier rué, c'est du guerrier vampire. Ah non, pardon. Oui, j'ai bien vu. C'est du guerrier contrôle. Oui, j'ai vu l'étude athlétique. Du coup, je pensais que c'était guerrier rué. Donc, my bad, c'était du guerrier contrôle. Donc oui, même stat qu'avant. Ça n'a pas changé. On va faire ça plutôt que vendeuse armure. Ok. Ouais, a priori. J'imagine une auto-tamponneuse, c'est pas mal pour gérer les early. Ouais, je préfère. Après, la 1-8 est quand même... La 1-8 est pas mal aussi, je suis d'accord. La 1-8 est pas mal aussi. J'imagine qu'on va juste faire un néophyte ici. Yep, pour le moment c'est pas foufou côté Felkane. Toujours pas ses Octobots malheureusement. Contre mon guerrier contrôle. Hmm. On a armor up contre mon guerrier contrôle je crois. Yep. Bah attention là tu peux pas faire grand chose hein, j'ai envie de dire. À moins de poser cette 1-3, voire peut-être. Tu peux poser la 1-3 là, tu peux faire pion de plongeon aussi. Tu mais... peux faire plongeon, ouais. Mais je pense qu'un mort rapide. Ah, est-ce qu'il joue 1 ou 2 plongeons dans le deck? Tu en joues qu'un. Tu en joues qu'un parce que tu n'as qu'un seul. Tu n'as qu'une seule ruée, c'est Kargath. Ouais, mais souvent, dans l'idée des gens, c'est aussi de chercher avec le plongeon le Kargath et ensuite chercher le Primus derrière. Bon, c'est. Je pense overreact, mais il y en a qui le font. Enfin, j'ai déjà vu. Pièce du coup derrière l'écumeuse. Ok. Bachot. Du coup, on va gérer cette 1-5. Et mine de rien, ce Octobot qu'on va pas pouvoir.
pas pouvoir one shot. Ah si, on peut one shot, pardon, avec le Kargat. Il le sait en plus, Fakin. C'est... Yep. Il le sait qu'il y a le Kargat, mais... De toute façon, c'est le truc, c'est... Est-ce que tu préfères ne pas réduire ou plutôt gérer le board? Au moins un maximum de board. Et on préférera ne pas réduire. Ouh, Olgra, ça c'est pas mal en vrai. Excellent. C'est très très bien. Parce que ça, ça met une pression qui est assez compliquée à gérer. Bon, il y a... On va faire effectivement et du coup, il décide, un trade ouais, pour il éviter le, la baston trop facile. Et surtout qu'il a gagné le contact. Qu'il a envie, il a envie de garder. Et il a le contact, effectivement, oui. C'est, effectivement. Et il manque de cartes en main, donc... Yep. Et là, sur une baston, on prie que la 3-7 reste, évidemment. Il fait baston. Allez. Gloire au... Oui, à la RNG. Allez Let's go. C'est ça qu'on veut. C'est notre champion. C'est un excellent top deck, ça. C'est notre champion. Et là, en vrai, tu peux... Tu peux y aller, hein. Tu te dis que déjà, une baston est passée. Pas forcément une deuxième déjà en main, donc on craint pas forcément de spammer le board ici. Bon, gel mental, c'est peut-être un peu too much. Oui, okay. Mais t'as pas choix. Okay. Ouais. Ok. Je pense que c'est plus value. Ouais, ouais. Oui, et puis après, c'est vrai que tu te dis, sur deuxième baston, tu, comme dit, tu peux encore améliorer tes chances d'avoir la bonne créa qui reste. Et c'est vrai que tu dis pas non à une pioche. Et c'est clair que on n'a pas des plays très sexy côté Silver. On peut faire double champion. C'est ma foi toujours ça en moins en termes de gestion. On a quand même pas mal de gestion en main côté Silver. Après les tempêtes de l'âme, c'est pas foufou. J'imagine qu'on a pris l'invoque, ça allait très bien. Bouclier divin et invoque une copie, ça c'est pas mal. Je pense qu'on serait tenté de faire le Barov côté Silver, mais tu sais qu'il y a Golem et que t'as peut-être envie de le garder pour les Golems. Mais t'as pas envie non plus d'activer forcément l'Octobot, donc à voir. Et sinon, le play qui permet de faire une amulette, c'est de Vierge Guerrière. C'est une 5-5, hein. On peut pas l'activer. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut envisager ça aussi. Pas évident, hein. Pas évident côté côté Silver, on se contentera peut-être juste de Vierge Hero Power. Ouais, c'est ce qui va être fait effectivement. C'est ce qui va être fait. Ensuite, nous avons Escroc Rusé. Ouais, j'imagine que c'est peut-être contact avec l'Escroc Rusé en espérant pouvoir activer l'Octobot derrière. Ça vous dit un petit jeu? Le pas de l'ombre. Là j'en dis, ah, c'est pas fou. Hein. Tu attaques avec Kazakus, tu pas de ouais, tu peux remonter Kazakus. J'imagine qu'on va chercher un golem T1 sur tout ça. Inflige 3 points, ok. Ok. Et est-ce qu'on fait plus? Non. Très bien. Non, pas de l'ombre. Pas plus. A mon avis, cet Octobot ne va jamais être activé. Et du coup, pour faire la combo avec Alex Rodatenu, qui fait 16, yep. Par contre, ce tour. Après, cela dit, ça lui permet de faire les golems de façon assez serein, en se disant, ah bon, après, il y a Tempête de l'âme quand même.
Ouais, je pense qu'à mon avis, tu préféreras peut-être mettre Jean 10. Jean 10, soit tu fais les 13 appels longs. Hein. Est-ce que ça me paraît pas mal? Est-ce que c'est pas intéressant? Ah oui, c'est pas extra zapal long, pourquoi pas. Mais est-ce que sachant que... Ah ouais, non, il y a encore une baston. Je pensais que ouais, dans ma tête, les deux bastons étaient déjà passés, mais non. Ce que j'allais dire, Jean 10, pas de l'ombre Jean 10, sans... en sachant qu'il n'y a plus baston, je peux toujours y aller. Hein. Mais je pense que ça serait trop risqué sur un top deck baston. A voir ce qu'ils vont décider, mais là pour l'instant c'est au tour de Silver. Donc on va mettre cette vendeuse. Alors, qu'est-ce qu'on va décider? Les golems. Après les golems, ce qui est pas mal, c'est que sur Tempête de l'âme, à cause de cette 1-3, c'est plus cher à gérer. Bon, après, il peut faire double Tempête de l'âme, mais ça coûte cher quand même pour Sylvor de faire cette double Tempête de l'âme. Et on commence, ouais, clairement, à ne plus trop avoir de main. Ah non, pardon, oui, il peut faire tout simplement rempart et trade. My bad. My bad, my bad. Il y a quand même une tempête de l'âme. Et du coup, tu peux pas faire Alexstrasza. Et en vrai, on n'est pas juste forcément bien côté Ukraine. Tu préfères ça plutôt que de Jean-Mis ? Je préférais développer Jean 10 moi ici, mais... Bah, j'imagine que l'idée c'est de se dire que tu veux peut-être péter très vite l'arme et peut-être faire passer les... les hors boucliers. Ah, par contre ça c'est relou. Hein. Ça c'est relou. Alors, on commence à avoir beaucoup d'armure quand même côté Ukraine. Il va falloir faire. Ah là, il va falloir sortir l'artillerie lourde. Ah. Ouh, ça c'est pas mal, cette 4-4. Ça pouvoir... permet de prendre le... Tu envoies ta tête et... Je pense, ouais. Voleuse de baguette. Oh, et en plus, il peut activer la 3-5. Ça vous dit un petit jeu. Oh là là. Oh, le tour va être insane et on n'a rien pour gérer. Là, on prie pour qu'évidemment, il n'y ait pas besoin. Et, enfin, on prie qu'il n'y ait pas un top deck. Ah, par contre, non. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais... Ah si, non, ça va. J'ai cru que tout était à 4 de PV. Non, c'est bon. Mais il pourra quand même gérer... deux créas avec Tempête de l'âme. En vrai, ça va, il restera quand même pas mal de créa, pas mal de dégâts potentiels. Ok. Il sue, non, le Falcane. Effectivement, il sue. Hein. On est d'accord. Même pour la partie d'avant, parce que bien évidemment, il y a du décalage. Oui. Je suis bien en compte. On a quand même beaucoup de dégâts en main. Là, on va pouvoir mettre pas mal de dégâts on board. Et ce counter spell, mine de rien, il a moyen d'être très 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 intéressant. J'ai le mental, le Tenwu. Alors là, tu peux envoyer les deux ça, faut pas que ça dure longtemps. Est-ce que tu fais un pas de l'ombre après sur la voleuse de baguette pour récupérer encore un spell? Jamais, tu l'as fait sur l'Extraza. Tu le fais sur l'Extraza? Oui, c'est vrai. Sur l'Extraza, peut-être. Tu
fais Alexstrasza pour moi, et puis après tu feras Alexstrasza, Temu, Alexstrasza. Ouais, clairement. Ah là là, ça sent bon pour la France, les amis, là. Ça sent bon. Let's go. En plus, ça va coûter space, ça, on sera sans doute. Oui, parce que du coup, on récupérera pas, parce que normalement, il aurait dû avoir un Tone 6-6. Ce qui veut dire que bah il sera annulé. Après, si pioche un sort, ça peut être chiant, mais... Ça veut dire que si pioche un sort, dans tous les cas, ça veut dire qu'il fait pas sa vierge guerrière et dans tous les cas... C'est ça. Qu'est-ce qu'on récupère? Bah en vrai, il lui reste plus grand-chose, hein. Ok, vierge guerrière. Et bah il va forcément faire, j'imagine, son son cache corsaire. Ah ouais, non? Ok. Je vois pas vraiment la raison de pas le faire, mais ok. Ok. Et bah du coup, bah je pense que c'est gagné. Je vois pas comment comeback ici côté Ukraine. Ah là 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 là. J'ai l'impression qu'on est bien. Ça hésite, mais je pense qu'il n'y a aucun out ici pour le guerrier. Non, tu traites jamais. Il va gagner 2 d'armure avec une rancœur, alors que tu rentres 5 points de dégâts. Pourquoi il aurait peur? Il a peur potentiellement de rancœur, mais... rancœur, ouais. Mais ça n'a aucun sens d'avoir peur de rancœur. Ça n'a aucun sens d'avoir peur de rancœur, sachant que tu rentres 5 en fait. Oui, et puis sachant que Barov est déjà passé aussi. Donc, c'est plus compliqué pour le Ward de setup un rancœur vraiment optimal. Enfin, ouais, il gagnerait 4, mais là, il rentre 5, du coup. C'est... Oui, oui, bah, lui, il gagne beaucoup plus, en fait. Ouais, donc, il y avait... aucun monde. Et pour le moment, c'est létal, tout simplement. À moindre... Ouais, il n'y a rien qui... puisse récupérer qui permettrait de le faire sortir. Il aurait fallu un deuxième Kargat, mais il ne l'a pas. Enfin, il en a pas tout court. Il y a R. Et mesdames et messieurs, vous savez ce que ça veut dire? Incroyable, c'est la qualification de la France en demi-finale, je précise. Incroyable, c'était vraiment serré, hein, vraiment. Oh là là, il y a eu des matchs incroyables. Vraiment pour le coup, c'était ultra serré parce que ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Et franchement, ça a été deux belles games. Voilà, il y a eu des matchs incroyables. 2 à 1 pour le coup. Alors du coup, on va les avoir en vocal. Alors on aura Felkain. Et si je ne m'abuse, nous aurons... Insane, je crois, pour l'Ukraine. Alors, je vais tout simplement les chercher. Alors, juste vérifier si c'était bien Insane hein, qui devait juste voir. C'était effectivement Insane. Très bien. Du coup, on va les inviter. Ok. On va commencer par le bon Felkain. Tac. Alors on les invite. Ça, tu décalais la cam, non? Non, c'est bon, je peux remettre à l'état initial. Ok. Alors, est-ce qu'on a... Ok. Hop. Salut! Hello! Salut à toi, Felkain! Félicitations! Merci. Bravo. Ça a été chaud, hein! On sent que...
On sent que ce dernier match n'a pas été évident quand même. Ah bah ils étaient chauds du flow. Hein. On a vu que on a vu que niveau flux, effectivement, ils étaient plutôt bons. C'était incroyable, le premier match, j'ai jamais vu un viol. C'était un viol en direct. Mais c'était insane. Genre, ouais, trois flux, quand même, fallait le faire. Très beaucoup. Et très franchement, j'ai vu que on sentait que t'avais un peu du mal aussi à un moment sur... avec le voleur, t'as eu peur à un moment donné ou tu t'es dit serein, tout était bon, calculé, ce qu'il fallait. Ah non, hein, ils ont fait double flow en early, t'inquiète qu'on n'était pas serein. Hein. Non, clairement. Ah, ils auraient pu nous tuer en fait, le dernier sens, ils ont double boule de feu, on est mort. Hein. Oui, c'était ce que je disais, On était à 18 et chaque boule de feu faisait 7, du coup avec le coup, on était mort. Ouais, c'est ça, ça pouvait très vite bullshit. Heureusement, ils ont pas trop pioché en early, ce qui t'a permis un peu de développer, mais c'est vrai qu'après, c'était trop dur, quoi, avec le dégât des sorts. Après, avec ton voleur, ça va, t'as quand même... ça a bien géré. Ouais, wow, ça a bien sorti. Après, j'avoue que t'as pas trop eu de chance sur le versus, quand même. Genre, enfin, sur le Mirror, où t'as pas eu tes Octobots. Non, ça c'était Blaze, c'était pas moi. C'était Blaze, excuse. On a pas joué de Mirror. Contre. Excuse, oui. Oui, pardon, ouais, c'était Blaze. Ouais, la game avec Blaze, il s'est pas passé grand chose, c'était pas incroyable, mais bon. Tu penses que vraiment c'était genre infaisable ou ça aurait pu être mieux au niveau de vos plays? Non. Genre, je pense pas qu'on ait fait spécialement des erreurs, même si c'était le cas, il avait une trop bonne sortie pour qu'on puisse gagner. Ouais, c'est ce qu'on sentait aussi au final, c'est que c'était, dans tous les cas c'était assez difficile. Puis bon, après les miroirs de voleurs, bon, il suffit que leur lit soit meilleur que l'autre pour que très vite derrière ça snowball. Donc très difficile. Mais bravo à vous en tout cas. Merci. Ça a été plutôt bon. On a eu peur quand même, on va pas se mentir qu'on a eu très peur. Car vu ce que nous a fait Silvor... On s'est dit... Avant, c'était Blaze qui gagnait à chaque fois. Là, c'est Gabi et moi. Pour une fois, ça change un peu. Ça change, effectivement. Mais ouais, non, pour le coup, c'est vrai qu'on a eu peur parce que les sorties que nous a fait Silva, on s'est dit, bon, ça commence mal, mais ça va, ça s'est vite rattrapé vers la fin. Donc, c'est pour Suspense en live. Exactement, ça aurait été trop simple de gagner 2-0. Évidemment, tout pour le show, comme on dit. Et ce qui fait que vous vous retrouvez du coup contre la République tchèque, est-ce que vous en avez peur? Ou pas du tout? Il y a Faeli et Jarla, du coup, qui est le troisième joueur. Alors, je vais te dire ça vite fait, j'avoue que de tête, j'ai plus... Faeli et Jarla. Alors, on va voir ça vite fait, mais il me semble que c'est effectivement... effectivement ça... donc on a Jarla, effectivement, Faeli et Norwis, que je connais moins pour le coup. Aussi, Norwis, c'est un nom qu'on croise beaucoup en ladder. Bon, non, c'est des gros joueurs, après... C'est des gros joueurs quand même, hein, ouais. Globalement, encore une fois, on est une équipe, je pense, les équipes les plus solides du tournoi. On a on a 4 Master Tours gagnés, je crois. Donc ça va, c'est pas mal. Ouais, non, clairement. Bah non, il y a un joli background, effectivement, En Master Tour, ça fait 4 top 1, 3 top 4 à nous 3. C'est pas mal. Après, malheureusement, ça fait pas la victoire non plus, donc... Ah, c'est sûr, mais clairement... Prouver. On est mais, plutôt... Non, clairement, c'est pas mal, et vos adversaires vont être plutôt strong aussi, donc Jarla... C'est quoi l'autre demi? J'avoue que j'ai pas eu l'occasion de... Alors, l'autre demi, c'est la Suède contre United Kingdom. Donc, La Suède contre qui on a perdu en poule. Ouais, Orange, hein, Orange et Boston, hein, qui sont quand même pareil, des joueurs assez strong en soi. Mm-hmm. Et après, on a Dedro, Jambre et Mighty. Mighty. Comment je dis, Mighty. Allez, oui, c'est. Je pense que les... J'ai l'impression que c'est peut-être le Royaume-Uni. Ouais, le Royaume-Uni, ouais. Non, je dirais ça. Il y a des beaux joueurs quand même, hein, dans chacune des équipes. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs assez strong.
Bon, bah après, un petit mot peut-être à lâcher pour ton pays, pour notre pays. Ah bah, merci de nous soutenir, ça fait plaisir, on espère aller jusqu'au bout maintenant. Évidemment. Voilà. Ah là, c'est la victoire ou rien. C'est la victoire ou rien, évidemment. Mm-hmm. Donc, non, bah... Non, clairement, bah GG à vous en tout cas, et bah on se retrouve pour la demi. Ça marche, à plus les gars. Ça marche, et bonne soirée à toi, ciao. Bonne soirée. Très bien, très bien. Eh bien, nous allons conclure tout doucement cette soirée. Donc, évidemment, on est très content que la France passe, évidemment. Difficile. C'était très close, quand même, hein, mine de rien. Ce troisième round n'a pas été évident pour la France. Mais au final, plus de peur, j'ai envie de dire, que de mal. Donc on est plutôt content là-dessus. Ce qui veut dire que ouais, la semaine pro, nous aurons les demi qui vont qui vont commencer. Donc voilà. Donc c'est pas encore à jour tout ça. Par contre, ce sera pareil, hein, lundi, mardi, mêmes horaires, tout simplement. On va donc on rappelle effectivement, nous avons le Royaume-Uni qui sera face à la Suède la semaine prochaine, et donc la France face à la République Tchèque. Donc des gros joueurs à dire en soi, comme on le disait avec Felken, c'est des joueurs qui ont des grands palmarès, qui ont fait leurs preuves, donc des matchs titanesques en soi. Et du coup, ouais, pour rappel de nouveau, hein, comme chaque soir. Chaque soir, on vous rappelle toujours. Évidemment, le mois prochain, il va y avoir la Max Open Cup. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en vous abonnant à la chaîne avec un Twitch Prime. C'est gratuit. C'est incroyable. On a les meilleurs joueurs. Pontin qui est éventuellement sur le casse actuellement. Exactement. Je ne sais pas si je le ferai parce que je vais potentiellement caster le tournoi. Donc, ça peut être compliqué, j'imagine. On verra. Et si j'ai le temps aussi. Je serai votre Kevin après. Oh là là, mais non, on sent. Déjà, ouais, déjà le co-caster que j'avais la dernière fois aussi va faire également la Max Open Cup. Donc voilà, c'est vraiment bonne ambiance, ça permet de rencontrer d'autres personnes, de gagner de l'argent. Hein, c'est quand même un bon moyen de motivation également. Donc ouais, c'est toujours une bonne ambiance, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous permet également, d'un autre côté, de nous soutenir et de survivre. Mais voilà, ça permet de faire clairement plus d'événements de ce genre par la suite. Donc toujours le petit bonus de gagner un t-shirt, voilà, si vous faites partie des 100 premiers. Donc voilà, bravo à vous, encore une fois. Et si vous vous inscrivez, bien sûr. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, peut-être, Enderman, pour cette soirée, un petit récapitulatif, ton impression, tout ça. C'était vraiment des matchs de fou. Ouais, j'avoue que c'était pas mal. Les matchs de Gabi, incroyables, surtout la dernière game de Gabi, avec où il empêche le match de jouer à la fin avec les 3-2 qui guichent de step, c'était incroyable. Ensuite, X-Blaze qui a pas pu faire grand-chose, malheureusement. Ouais, ça a été dur pour lui. Hein. Ouais, c'était un peu... Quand tu te tapes des miroirs, tu sais que déjà, ça va être chiant, quoi, parce que... Et à la fin, Kane qui fait un petit offense qui... Il fait en sorte que Silver pioche les flux, comme ça, ça fait encore plus de suspense, ça fait encore plus de matchs compliqués. Mais au final, il emporte quand même 2-1, tel un boss qu'il est. Et voilà. Ouais, non, clairement, le match de Falcon, je pense, c'est ce qui nous aura fait peur, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Et clairement, on aurait pu avoir très très peur. Et il a bien rattrapé finalement avec son voleur, il a très très bien géré, ce qui n'était pas forcément toujours évident, enfin les lignes de play n'étaient pas toujours faciles, et non, pour le coup ça a très très bien géré, clairement, comme on disait, le voleur c'est celui qui est pas forcément le deck le plus facile, clairement, si vous débutez le jeu, ne commencez pas forcément avec celui-ci, même s'il est très fort. Parce que selon les match-up, il est très variable.
et les lignes de play sont complètement différentes d'une classe à une autre. Donc faut vraiment connaître ces match-ups pour le coup. Et on sent que Falcon l'a quand même bien géré dans l'ensemble. Donc GG à eux encore une fois, ça a été plutôt bon. Donc voilà, on conclura sur le fait que la France a gagné pour aller en demi, je rappelle. Donc ça a été plutôt bon. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, bien évidemment. N'hésitez pas à être présent également pour la semaine prochaine pour les demi, où il va y avoir des gros joueurs qui vont s'affronter, donc ça c'est plutôt cool. Et merci à toi Underman de m'avoir accompagné pour cette soirée. C'est un énorme plaisir. C'était bien et sympa. Suivez la Maxime sur les réseaux sociaux et si vous n'avez pas fait, aussi suivez-moi Underman HS. Exactement, voilà. Vous pouvez suivre Underman, vous pouvez suivre ma chaîne également Cool Kid si vous le souhaitez. Et principalement, bien sûr, la Max Team qui nous permet d'effectuer plus souvent ce genre d'événement. C'est très important pour nous également. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore, à la prochaine. Et comme je le dirai à chaque fois, top deck et bien. Ciao, ciao.